J'appelle là. Ils ont pas les clés, c'est ouvert. Allez, tout ça, tu vas avec les dents là. Pompez le padrino pour fumer des prospects qui s'en bat sur le droit chemin. De ouf. Rélina. Pardon. Aïe, oui, oui, désolé, ce soir j'ai pas de soucis. Oui, j'ai une clé. Ok. Non. Ouais, nous, non. Peut-être, j'ai trouvé peut-être un. Bah non, ça je l'avais fait. Tu prends avec Menos ou Menos il prend tout seul? Je suis en train de chercher, je vous jure, je peux attendre. Je suis dégoûté. Et il est dans. Il est en train de prendre un. Je comprends pas pourquoi ça lag. J'ai 23 ans à Vitam Eternam. C'est ce que dit le Wisebot. Moi j'assume mon âge, hein, complètement. Je suis pas du tout vieille. Faudrait qu'on prenne à un endroit où on le bloque. Vous voyez ce que je veux dire? On veut le péter. En fait, faut pas aller à un endroit où c'est évident qu'il y a des gens qui peuvent se cacher. Le faire à un endroit dans un cul-de-sac. Oui, ça aussi, ouais, c'est trop mal. Genre, tu vois sur les docks là? Et tout au fond des docks, il n'y a qu'une entrée, hein. Après le reste c'est de l'eau. Hein. C'est pas mal. Bah alors, tu vois, truc de pêche en face. Ouais, aussi. Ouais. C'est où le truc de pêche là, le Berpaletto? Si on va dans le sud, ça. Il manque les lions? Si on va dans le sud, ils vont trouver ça bizarre, ouais. Parce qu'on fait toujours tout dans le nord. Je suis en train de regarder, je vous jure, je suis en train de chercher. C'est sympa ton aquarium. Merci Codino. Mais mon poisson, je vais le changer de place. Parce que le cher, il est trop malheureux là. Trop petit l'aquarium. Le poisson, il est énorme. Il s'appelle El Requin. Je vous jure, je pète un plomb. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Vous voyez de quelle maison je parle là? Ah, si, ouais, je vois. Direction Paléto. Ouais, direction Paléto. Ah, ouais, de quoi? C'est pas mal de quoi faire là-bas. Il est beau, hein? Ouais, c'est un gros bébé. Sur la montagne au-dessus. C'est un gros bébé. Mais bam, on va bloquer. El Requin. Ou El Piranhaña. Ça dépend. Ouais, c'est coupe-gorge. J'ai coupé la cam, hein, dès que je vais faire de la moto, vous le savez. Ça va la gueule. Carlos. Ouais, mais par contre, il faut aller. Mais bien sûr, je vous donnerai une nouvelle. Mais vous en aurez un autre, regardez, je vais me prendre un combattant. Je vais me prendre un combattant après. Mais bien sûr, mais ça va me faire bizarre, hein, de pas l'avoir avec moi aussi lui, hein. Par habitude. Mon petit bébé là. Je vous jure, je me tâte, hein, à prendre un aquarium de 100 litres, hein, du coup. Mais 100 litres frère, c'est énorme. Puis l'entretien d'un aquarium de 100 litres, c'est pas le même qu'un d'un 34, hein. Moi je vous dis, à titre d'expérience personnelle, le combattant, tu l'appelleras Alerio. Je pourrais. On pourrait, hein. Ouais, aussi. On pourrait. En vrai, je sais pas. Je dirais aux presse. Presse. Je vais me prendre un poisson. C'est un petit combattant. Et il va s'appeler Alerio. Il va me dire, je vais te niquer, toi. Un pequeño combattant que se llama Alerio. Ça fait trop la pub de Kezak. Et que se pelo a Kezak. Si. Mais il va être grave. Ah oui, de l'essence, c'est pas con. Il va être grave prudent, quoi. Bon, en fait, je me dis, c'est une prod, donc ils vont venir, ils vont la guetter. Donc faut juste vraiment pas qu'on se fasse voir, c'est tout. Je lui dirais. Il y en a un ou deux qui viennent à récolter, normal, comme si on sait qu'ils sont là. Oui. Ah, ils trouvera un prénom. Tu vois, c'est mon job. Et au moment où ils topent un verre, nous, on les laisse derrière. J'en ai marre, je veux remettre ma cam, je veux retrouver mes presets que j'avais, je suis dégoûtée. Mais est-ce que nous, là-bas, derrière, est-ce qu'on a beaucoup d'endroits où se cacher? Justement, je voulais... Ça me saoule. Oui, il y a des endroits pour cacher les motos. Dites-moi ce que vous en pensez. En gros, c'est simple. Il y aura un mec sur la montagne, puisque s'il y a trop de motos, ça va être trop cramé. Un mec sur la montagne au-dessus, qui va guetter, tu vois. C'est moi. Il faut qu'il y en ait un qui reste en mode oh, je récolte, je suis un connard, nan. Et tout le reste, pour être discret, on se met vers le phare. Et dès qu'ils nous disent qu'il y a une voiture qui rentre, là, on arrive avec les motos, ça nous prend même pas de temps. Ouais, même vers la ferme, hein. Vers la ferme, tu sais, qui est juste en face. Hein.
Ouais, ouais, mais où il y avait le, l'ancien truc des wolves là. S'ils passent par Grab City, ils vont nous voir, toutes les motos, tu vois. Mmh. Alors qu'au phare, ils nous verront pas. Après là-bas, Je crois qu'on peut se planquer dans la grange, non ? Oui, là-bas il y a une grange et pour voir ce qu'il y a dans la grange, faut vraiment aller. Faut traverser le petit pont, tu vois. On va voir, on fait une petite reconnaissance des lieux et. Genre pour accéder à ce qui est caché là-bas, il y a plein de cachettes en vrai. Hein. On peut rester là-bas. Après, si tu veux, moi je peux faire la puta chez les bords de la route, il s'arrête et vous lui tombez dessus. Non, pourquoi toujours tu fais la puta ? Mais parce que c'est facile avec les sommes. Oui, mais. C'est vrai, mais. Bah oui, j'ai même en culotte, j'ai tout que c'est fini, on n'en parlait plus, hein. Mais là, là, nous, faut pas qu'on agisse comme des putains. Et ça, Raina, je pense que ça marche avec les gens, avec des mal intentionnés, mais je pense pas avec des poyos que ça marche. Ah oui, c'est vrai, c'est une poyos. Oui. Ouais, après, une bite, c'est une bite, hein. Oui, il va dire, allez, tiens, viens là, toi, racolage, là, allez, hop. Mais oui, mais au moins, il s'arrête sur le bord de la route pour me mettre une amende et vous voulez choper, hein. Ça passe, hein. De quoi, tata? Je disais, moi, j'ai fait la fausse puta sur les bords de la route. Ils s'arrêtent pour le faire du racolage pour me mettre une amende. Et vous, vous les chopez. C'est possible, je jure, non? Je jure que c'est un vrai plan. Ben, moi, je fais, hein, vous me dites, hein. Dieu m'en fout. On envoie un message du central. Mais oui. Si tu es ici. Il y a une prostituta qui traîne par là, et puis voilà. Ça lag ou pas? Ouais, ça lag, hein. Je suis désolée. Attendez, je fais 4. Ça a déjà marché avec les flics. Ben voilà, c'est pour ça, tu vois. Faut tester. Un trou, c'était un trou. Une bite, c'est une bite. Je crois qu'on peut se cacher derrière la grange. Avec les motos ou même dans la grange, ils vont pas pouvoir voir en fait. Ils sont obligés d'avancer pour voir. Donc ils vont être mieux. Imagine maintenant. La règle des trois. Ils vont sur la montagne au-dessus. Pour guetter. Bah, c'est pour ça que vaut mieux pas pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste dans la grange. Des droitiers. Enfin, les motos, les nous on peut se cacher autre part. Batalino, viens voir. Il y a un coin là, un bon coin ici. Ouais, j'étais voir dans l'autre ferme, il n'y a plus de grange. Ah non, mais en fait, il faut pas que la montagne puisse nous voir. En fait, ils vont peut-être prendre la montagne pour voir. Regarder par la montagne derrière. Il faut aller. Il est beau cette arme. Hein. Bah, faut qu'on arrive. Hein. Après, il m'a dit, en fait, ceux qui font la prod et qui se cachent, il faut qu'on se cache tous à peu près autour. Il faut pas qu'ils aient le temps de faire une backup. Bon. Okay. Y a pas moyen, on fait une petite grange vite fait là et on met les motos non, dedans. Non, tu pourras pas. Hein. Pour ça, au pire, ceux qui font la prod, vous restez avec vos motos à l'intérieur de la grange là, en face de moi. Ouais. Le reste, essayez de vous mettre dans des buissons autour. Et il faut qu'il y en ait un qui soit sur la montagne au-dessus, c'est tout. Ouais, okay. Bah vas-y. Hein. Discret. Mais ils vont. Là-bas, y a un buisson là. Oui. Voilà. Faut se cacher. Moi, j'ai resté là. Ça, mais... Mets-toi pas en rouge déjà, fluo, Raina. Oui, pardon, je vais m'échanger. Attends. Mets-toi en noir. Oui. Voilà. Sinon, je me mets en mode guerrier. Il y a un bison qui reste en backup hein, pour le bloquer. Oui, mais le truc, c'est que le bison, le temps qu'il arrive, comme il compresse, le temps qu'il arrive, on se fait backup direct. Pour bloquer. J'ai qu'à regarder le coup. Ah, tu marques un point. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on les braque direct. S'ils arrivent près de la grange, faut les braquer. On peut pas les laisser ressortir. Du coup, on est d'accord. La plantation dans la grange. Mais le truc, c'est où c'est qu'on va mettre les bécanes? Parce que là, de partout, on voit en fait. S'ils se mettent de n'importe quel côté des montagnes. Genre, on nous voit. Le seul endroit où tu peux. Mais au pire des cas, venons. Dans la grange, c'est tout. Écoutez, au pire des cas, on abandonne cet endroit et on va au-dessus de la prison comme on voulait faire initialement. C'est trop vaste. Se cacher ou quoi, tu vois. Et ouais, les phares, c'est pas bien les phares? Tu sais qu'il y aurait un putain de cul-de-sac où c'est qu'on peut Javier, comme ça, réfléchissez un peu. Tu te souviens de l'endroit où on avait trouvé à côté des éoliennes? Ah, ça vous, ça peut être smart. Entre les deux ponts. Ouais, c'est vrai ça.
En vrai, on peut aller check. Attends. Au camp de le Clodo, la direction Paléto, là, vous passez de la fusée. Ah ouais, mais oui. Le camp de Clodo, là, qui est juste en dessous les trucs. Oh, oui, parce qu'on peut se mettre, on peut se mettre directement de l'autre côté de la route, cacher toutes les bécanes derrière le derrière les bâtiments en face. Quand oui. Clodo. Allô. Là, je peux plus discuter avec les vaches. Faut respecter ce qu'ils se sont battus pour la liberté de la France. Quoi, Marco, t'es une garce. T'es une garce. C'est tellement une garce. Encore. Mais elle te sort de ses... Elle te clash. Mais elle te clash sale. Elle le fait pas souvent, mais quand elle fait mal, hein. Putain. Ah ouais. Comme un côté. Là, en gros, le seul endroit où on peut voir. Elle m'a tué. Oh, ils vont monter sur les rails, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Si on elle cache les motos, c'est direction ouf. Là-bas, là. Ouais. Même là-dedans, là. Regarde là-dedans. Ouais, tu mets 4 motos à l'intérieur, ça passe. Hein. Ouais, mais après, il faut les sortir, les motos, les gars. Hein. Oui, mais tu. Bah, t'inquiète, on aura le temps. Oui, t'as clairement le temps. Après, il y en a même qui peuvent se cacher en face. Oui, c'est pour ça. Dans tous les cas, ceux qui se mettent là-dedans avec leur moto, tant que les gens ne sont pas sortis, vous partez pas, vous laissez personne tout seul. Bah voilà, bah, pour lancer la prod, il y a plusieurs tentes où vous pouvez rentrer dedans, rentrer des motos à l'intérieur. Bah la prod, vous voulez que je la mette où? Là. Comme ça, là, en plein milieu? Bah ouais, je me suis là, non? Bah est-ce que vous voulez? Mais si, faut pas que les motos le dépassent des tentes, hein. Il y a pas... Bah vas-y, je vais... Pardon, je vais mettre dans un buisson, derrière. Bonjour. C'est lui. C'est la DOA. C'est les Mayans, du coup. Les mains en l'air. Vous êtes sûr? Oui, les mains en l'air. Dépêchez-vous, c'est la DOA, ça sert à rien. L'endroit est cerné par les forces de police. Ça tombe bien, ça tombe bien parce que nous aussi, c'est cerné. Allez, on arrête de faire les cons, là. Voilà. Voilà. Tu donnes des ordres à qui, toi? Baisse ton arme. Allez, baissez. Alors, on avait les yeux plus gros que les ventres. C'est bon, c'est bon. Toujours pas, madame. C'est bon. On va parler un petit peu. Allez, 26-18, c'est bon. Madame, n'oubliez pas à compter, s'il vous plaît. Là, si on compte, là, c'est pas bon. Voilà, c'est pareil. Allez, on y va. Monsieur, rangez votre arme s'il vous plaît, monsieur l'agent. En face de moi aussi. Ah oui, bien sûr. Allez, venez, Chica. Pardon, excusez-moi. Allez, approchez-vous avec votre collègue là-bas en face. Vous inquiétez pas, on va rien vous faire. Allez, on enclenche les... Pareil pour vous, madame, mesdames. On va finir ici, on va finir ici, ça va être rapide. Payez très cher. Waouh, waouh, canoncier. Ferme là. Vous allez le payer très cher, les Mayans, très cher. Hein. Oui, allez. 0-3 il laissera pas passer ça, vaut mieux que vous tuez le maintenant 0-3 parce qu'il laissera pas passer ça. Ah si si, pas passé. Hein? Non, j'en finis maintenant 0-3. Non, mais c'est... Okay. Écoutez, l'herbologie, interflora, moi j'aime bien. C'est juste une question, moi je suis là pour une raison, moi. Riz, on va s'écarter un peu, on va discuter. Attendez, est-ce que tout ça était un guet-apens d'abord, je veux savoir. Exactement, oui, c'est un guet-apens. Ah bon? La seule façon, Riz, de t'avoir tranquillement sans te chasser et se faire cramer et que t'appelles tous les renforts, c'est de faire une plantation. Et ouais. Allô. Écartez-moi Riz, s'il vous plaît. Allô. Putain, sympa la cover, les collègues. Sympa la protection. Tu étais tout seul. Tu étais tout seul. Oh, tout seul ou pas tout seul, le plan était en marche. Arrêtez, hein. 0-3, commence pas. Pardon. Écoutez, je sais pas ce que vous me voulez, mais j'ai rien à voir là-dedans. On va te tuer. Vas-y, je m'en occupe.
désolé. Ouais. On va dire qu'il y a du monde qui paye cher pour ta tête. Non, j'ai pas. Paye très cher. Qui? Tu le sauras après, mais après ça va savoir si tu nous donnes des bonnes infos quoi. Si tu réponds bien éventuellement, c'est parti. Par contre, si je réponds mal, c'est parti. La conclusion, oui. Oui. Premièrement, la tête des Crips. Oui. Tu l'as pris sur téléphone. On est d'accord sur ça? Je suis pas une poucave, je te dirai rien. Sale enculé, va. Arrête, dis-moi la vérité. Je te dirai rien, sale connard. C'est pas ta vie qui est en jeu, cabron. C'est qui? La tête des Crips, tu l'as pris sur téléphone, on est d'accord? Je te dirai rien, sale connard. Ok, j'ai une autre. Je suis pas une balance, je crois que je suis une snitch. Moi aussi, je suis dans... Moi aussi j'ai grandi dans la rue. Ok, je lui ai pris son téléphone. Oui. Okay. Et t'as pris qu'il y avait des trucs croustillants dans son téléphone, d'accord? Sois clair. Si t'es clair avec moi, je serai clair avec toi. Si tu m'as signé des trucs, t'as signé des trucs. Qui avait été programmé par les autres et tout. Moi, j'ai pas participé. Dans tous les cas, je m'en fous. Mais c'est juste des infos apparemment qui sont importantes. Pourquoi? Parce que si jamais c'est pas moi qui lui ai pris son téléphone. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que vous allez le tuer. Non, parce que vous pensez que c'est une snitch. Le problème, c'est que t'as fait ce que t'as fait et t'as été intelligent de le faire. Le problème, c'est qu'il en a pas parlé, même après que tu l'aies libéré. Et du coup, là, il est dans une situation délicate. Alors, pourquoi tu me poses ces questions alors? Bah, parce que pour m'assurer que c'est bien toi qui a fait tout ça. Mais si lui t'a rien dit, pourquoi tu penses que c'est moi? Mais moi, il m'a dit, moi. Mais il l'a pas dit au créateur du jeu, tu comprends? C'est qui les créateurs du jeu auquel il l'a pas dit? Bien, c'est qui les créateurs du jeu? Moi non, plus, vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. Ah, je suis pas une poucave, Maurice, tu le sais. Et quoi, c'est. Tu veux protéger les Woods, c'est ça? Je m'en bats les couilles des Woods. Alors pourquoi tu les protèges? Pourquoi tu suis pas une poucave? Parce que je suis pas une poucave. T'as peur qu'ils tuent? Qui va me tuer? T'inquiète pas pour moi, mais personne va me tuer. Pourquoi acheter aujourd'hui? Pourquoi ce guet-apens? Mon labo, il est où? Y'a que toi qui a l'info. J'aimerais savoir où il est ton labo. Hein. Évidemment, ton labo, je me le suis mis dans le cul, ton labo. Tu le reverras plus jamais, ton labo. On va enlever son pantalon, on va fouiller son. Non, c'est bon. Arrêtez, écoutez. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, madame, toi? Qu'est-ce que tu fais? Elle a fouillé le cul, elle, je lui dis. Mais non, mais vous allez pas fouiller le cul, madame, vous allez pas fouiller le cul, madame, je vous dis. Bah, arrête tes blagues nulles, alors. La vérité. Arrête, mais non, mais arrête, pourtant il va tomber. Allez, stop, permanent. Il va parler. Claro. Eh oui. Tu vas devoir serrer les mains, va le faire. Hein. Moi, j'ai une question à vous poser, monsieur le presse des Mayans. Oui, dis-moi. Et les trous de balles là qu'on niquait le labo d'héroïne, vous leur avez fait quoi, hein? Hein, vous leur avez fait le labo d'héroïne? Ouais. Mais j'en bats les couilles des labos d'héroïne, moi. Ouais, mais là ils ont créé une pénurie, tu vois. Du coup. Oui, mais moi, c'est pas ma droga, je m'en fous, moi. Y a eu des conséquences à ça? J'espère que ceux qui travaillaient sur ce labo avec eux leur ont mis des conséquences, mais je pense pas, pour être honnête. Moi, c'était pas mon lieu de travail, donc je m'en fiche un peu. Moi, je sais que dans ma manière d'agir, j'essaie de récupérer mon bien et pour perdre un minimum de temps. Mais jusqu'à quand on va jouer à ce petit jeu-là, hein, monsieur le président des Mayans? Une fois que j'ai récupéré mes putains de machines, moi, je te laisse tranquille après. Moi, je vais vous dire, monsieur le président des Mayans, parce que au bout d'un moment, je vais mettre une loi de Rico sur tous les Mayans du monde. Tu comprends? Une loi Rico sur tous les Mayans du monde, je vais tous vous amener en enfer. Merci Ryan, s'il te plaît. Pour le follow. Je vous menace. Vous savez pourquoi je vous menace? Et vous savez pourquoi je vous menace? Parce que vous savez très bien, autant que vous, je sais que vous pouvez pas me tuer tant que vous avez pas votre laboratoire, il vous tient bien plus à cœur que de me tuer. Et par contre, t'es Hermano derrière là, tes petits copains avec qui t'es tout le temps patrouille là, t'es retrouvé à 26 et tout ça là, 107, faut les canner eux. On peut les cramer, s'il te plaît. Va mettre l'essence sur eux un peu. Non, c'est bon. J'ai les couteaux qui me démangent, presque, s'il te plaît. Elle est folle ou quoi celle-là? Claro que si, bebecito, je vais faire des petits bouts de toi. Écoutez, si vous voulez me faire parler, juste ne faites pas de mal à 03, c'est ce que je demande. C'est qui 03? 03, viens ici! Non, pas 03. Vous voyez pourquoi vous n'êtes pas président? Bande de cabrones. Oh, la secrétaire. Le C. Viens. Bande d'idiots du village, vous savez pourquoi il dit ça? Non. Arrêtez d'être débile. Justement pour que tu lui fasses du mal. On commencera pas par lui. Mais moi, non, justement. Point, t'es un bâtard. Non, je veux qu'on tape 03. Non, justement, c'était psychologie inversée et je suis rentré dans ton crâne. Non, justement, tu veux que je touche à 03 parce que c'est lui qui te fera le moins de mal. Écoutez. Votre labo, de toute façon, c'était l'histoire de quelques heures et ça aurait été officiel. C'était l'histoire de quelques heures, vous êtes mis dans la merde pour rien, voilà, je vous le dis. Il est où, ce labo d'enculé? J'ai fait une interview au Weasel News où je dis où est ce laboratoire. J'aime le dire maintenant, on va gagner du temps. Putain, je vais péter un plomb par contre, attends. Oui. On a arrêté,
Non. J'hésite, VP, dis-moi. Est-ce qu'il va, il pourrait pas nous ramener directement là-bas? Arrête! Arrêtez de crier comme un petit cochon, hein. Arrête! J'ai l'impression qu'on est en train de t'écorcher. Calme-toi, por favor. Oui, mais ça fait mal! Ça fait mal. Moi, j'ai pris des coups de pompe dans les dos, hein. Ah. De moi? Ah, claro que si. Ah oui! Ben, je suis désolé. Je te remercie pour la belle cicatrice. Je me rappellerai de toi toute ma vie. Un mot. Mon labo. Il y a l'essence qui est mise sur leurs jambes. Bon, écoutez. Merci pour les polos. Votre labo, je ne saurais pas vous décrire là où il est en fait. Pour être tout à fait honnête, je. Et si tu vas savoir un peu avec tes mots. On connaît bien la ciudad, moi. Attends. Écoutez. Capitaine del Camino, viens. C'est. De toute façon, c'est un entrepôt qui est imbraquable. Vous arriverez jamais à le braquer, cet entrepôt. C'est mal nous connaître. Moi, je suis un pirate de l'internet. Écoutez, vous voyez le derrière PDP, il y a une usine de couture là où je sais pas trop ouais, quoi. Ouais, Darnell. Ça, c'est déjà fait ça. Ça, on l'a braqué déjà. Oui, et bien juste derrière, il y a une espèce d'endroit, il est fermé par des barrières. Ok. Le carré là. Oui, ouais, oui, c'est une espèce de carré où il y a des escaliers. Oui, il y a des escaliers et tout là-dedans. Une grande descente. Ouais. Oui, exactement, la grande descente est un peu plus de l'autre côté, ouais. Tu reviens en été, tu vas voir. Il est là l'entrepôt, mais il est dans un entrepôt de la DOA. Ça dépend. Voilà. Si je peux. Là, le problème, espèce de petit bâtard, c'est que là, je vais y aller. Et tu vas prévenir tout le monde et je vais avoir tous les chiens de garde dessus, là. Ah, bah, ben, ça, c'est sûr que. On peut y aller avec lui, au pire des cas. Tu le verras pas de sitôt. On peut le ramener. Non, mais ça va. Et si je te prends avec moi et je t'emmène, là, tu vas se poser comment? C'est chiant pour toi, non? C'est dérangeant. En fait, le problème, c'est que. Il y a une alarme. Ouais. Cette alarme, il y a que les gens de la DOA qui la reçoivent et ils sont tous ici. Donc, si vous m'emmenez. Mais imagine, vous trouvez con, quoi. Ah, oui, c'est ça. Bah, après, c'est le jeu, hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Et bon, t'auras baisé le cul. Bah oui, bah on est là pour se baiser, moi j'étais là pour vous baiser, je devrais pas laisser la moindre chance, hein. Ouais, bah là je vais te laisser la zéro chance. Vous allez tous les embarquer sur les bécanes, on va y aller. Oh non, ouais. j'ai le mal de moto, je peux pas, moi je vais vomir. J'ai envie de m'amuser un peu. Ah mais non, de toute façon dans tous les cas, il y en a un qui va prendre une moto là, avec quelqu'un d'autre, il va aller chercher le bison. On va y aller avec le bison, parce que les machines on va pas repartir en moto avec. J'ai ma STX sinon. Non, ta STX, voilà ça, tu viendras la récupérer. Ma STX c'est les surcales, je m'en suis occupé. Comment t'as pris un canon pour tout prendre? Salut, oui, on va prendre le bison. Okay. Let's go. Bah, sans pneu quoi. Sur cale. On va aller chercher notre bison, tranquillement. Ouais. Et On part pas, toi. On va ce qui nous appartient. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Pour parpaing. Les parpaings. Ah oui, des parpaings. Ah oui, les parpaings. Mais deux parpaings de chaque côté, terminé, bonsoir. Ah, claro que si. Ça, c'est bien. Oui. Et si je lui mets un parpaing dans l'anneau, ça passe? Essayez. Tu penses que c'est dilaté facilement? Bah oui, il y a toi, qui d'autre? Pourquoi tu veux mettre un parpaing dans la tronche? Non, pas dans la tronche, dans l'anus. Mais madame, vous avez un problème avec les trous de balle, hein? Mais j'ai un problème avec les trous, de toutes les façons. J'aime bien les agrandir. Vous aimez bien agrandir les trous? Si. Je vais te mettre les doigts dans la bouche, tu vas voir comment ça t'aime bien agrandir les trous. Vas-y, voilà, amuse-toi. Elle va te dire encore. Mais claro que si, moi j'aime bien. On va chercher le bison. T'aimes bien, hein? Fais voir la taille de ton poing. De mon poing? Oui, que je te le foute dans la gueule. Attends. Tiens, regarde. Oh, ça va. Ok, maintenant dis A. 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 Oh. Oh. Arrête. Ah, mais toi aussi, t'es comme ça, t'es mignon? Arrête! Mais putain, mais vas-y, pourquoi c'est pas mon mec, lui? Bon, vas-y. Bah oui, pourquoi? Mais j'en sais rien, moi, tu veux? Ben je te prends, je te retourne et je te bêche. Hein. Donnez-moi votre nom et je vous recontacte. Tu peux m'appeler la reine, si tu veux. La reine? Oui. De toute façon, au pire, je vous ai déjà tiré dessus, la reine, donc je pense que d'avoir votre identité qui doit être marquée quelque part. Tu cherches, je suis sûr que tu trouves, mais ça m'étonnerait que tu fasses la paperasse quand même, toi, non? J'ai des gestes de pastis là-bas, si tu veux. J'ai des gens qui bossent pour ça. Hein. C'est ce que je me disais, tu sais pas écrire. Bien sûr que mais commence pas à le draguer, toi, encore. Hein. Mais si, laisse-nous tranquille, on est majeurs tous les deux, on est consentants, laisse-nous tranquille, oh là là. On refait rien de fou, président, c'est juste j'ai regardé la taille de sa bouche. Ah oui, elle m'a mis les doigts dans la bouche. Oh, vas-y. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi pas? Mais tu peux pas arrêter de draguer tout le monde. Mais qui non, tu mais vois c'est parce que. Je soulève ton bandana, moi aussi je te mets les dents dans la bouche. Attends. Mais.
Arrête, tu vas la... Arrête, elle va, arrête, arrête, elle va vomir, arrête. Ok, j'ai compris le genre de personne que j'ai en face de moi, c'est bon. On a affaire à une folle, Ok. Ah, mais c'est une folle, mais t'as pas idée. Elle s'en bat les couilles, t'as pas idée. Que bonito. Ouais, non, mais je me suis dit, je vais la choquer, mais non, en fait, non. C'est elle qui va te choquer. Moi, j'aimais bien qu'on me choque aussi. Ah. Elle attend juste de se faire baiser, elle sait tout. Si, claro. Bon, écoutez les Mayans. Votre petite entourloupe là de merde, écoutez, je dois vous dire la vérité, mais depuis tout à l'heure là, il y a les collègues, ils ont sécurisé la montagne, si vous sortez de là, vous êtes des hommes. Il y a quelqu'un qui est sorti, il nous a dit il y a personne. Et on est caché. Ils m'ont pas bien. Est-ce que vous m'avez vu rentrer là-bas ou pas? Il y a mon hermano qui t'a vu. T'as vu faire le randonneur. On a vu un bizarre rentrer quoi. C'est tout. Merci pour les follow. Mais depuis le début, c'est un commenté que je vienne, que je crie, oui, que je dise oui, ah, mais ils sont où les autres? Ils sont dans le sud. Ah, mais il y a pas d'eau. Il a oublié de l'eau, le connard. Il est dégoûté. Eh oui, hermano. C'est le seul endroit où t'es gratuit. Ah, là, moi, tu le sais, tu vas pouvoir travailler dessus. Je suis pas dégueu. Regarde comme t'es mignon en train de faire de la randonnée. Oh, les chiquitos. Avec sa petite camisa de Canadien, là. Je suis pas dégoûté, j'en ai rien à foutre. T'aimes bien tailler les bouches? J'aime bien quoi? T'aimes bien tailler les bouches? Tailler les bouches? Si. Tu sais, les petits bouches, troncs. Les bouches? Les bouches? Ah, claro que coño. Bûche. C'est comme ça que tu dis en ta langue. Bûche. Je sais pas si j'aime bien tailler les bûches, mais j'aimerais bien tailler ta bouche, toi. Ay, que bonito. La vérité, hein. Claro. Ah, que bonito. Si, que bonito. Que calor. Va voir, Mathis, dis-lui, on va se mettre en couple. Allez, vas-y, j'ai t'attends. Alors là, tu peux courir. Hein. Non, toi, va la voir, toi. Va la voir, dis-lui. Dis-lui, si jamais toi tu veux pas, moi je veux. Dis-lui, s'il te plaît. Moi, qui tu veux que je dise ça? Ah, la rouquine. À Winter? Ouais. Pourquoi tu veux que je dise ça? Parce qu'on a une relation un peu particulière, elle et moi. Voilà, j'aimerais que pour la rendre. Mais ça va, j'ai déjà son numéro de téléphone, j'ai déjà envie de lui tailler la chatte en deux. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais attends, mais. Mais que t'es vulgaire, mais sorcière. Mais c'est pas être vulgaire, c'est la vérité. Mais si tu es vulgaire, tu es vulgaire. Appelons un chat, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je dise les vagins pour que ça soit plus joli? La zézette. La quoi? La quai? La zézette. Mais la zézette, c'est des biscuits qu'on mange. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, la zézette, c'est la foufounette. Oui, que cogno, Mais tu lui donnes des prénoms aussi? Moi, la mienne, je l'appelle Carla. Tu veux rencontrer Carla? On t'a dit, c'est elle qui va te choquer. Monsieur, s'il vous plaît, tuez-moi, là. Allez. Non, tu dois subir tout ce qu'on subit tout le temps. Ah, je suis mort, sa mère. Non, mais zézette, tout le monde dit zézette, non? Non, personne ne dit zézette. Les petites, peut-être les enfants. Si, zézette. Si, zézette, c'est pour pas avoir... Arrêtez de dire zézette, la foufoune. C'est parce que c'est bizarre un peu de dire... Quoi, je dis ta chatte? Mais oui, ta chatte, bah oui, c'est ça, là. C'est bizarre de dire ta chatte, mon Dieu. Ta foufoune. La chatte, les vagins, les pouvisses, si tu veux, au pire, les pouvisses, allez. Ta petite pêche, ta petite huile. Ah oui, une petite pêche. Petit abricot. La Schnexer, tu vois, je sais pas. La Schnexer. T'aimes bien les vergers pour des pêches? J'aime bien quoi? Les vergers avec les pêches. C'est quoi les vergers? Les vergers, c'est là où il y a les arbres fruitiers qui poussent. Un pêcher? Oui, un pêcher, si tu préfères. Je t'avoue que je sais pas trop quoi te dire, là. T'es plus banane plantain ou t'es plus pêche? Non, je suis plutôt cerise. Ah, mais cerise, c'est les glands, c'est un peu bizarre. Tu suces tes glands? Mais non, les cerises, c'est les nibards. Ah non. Les bêtes ou quoi? Ah non, les cerises, c'est les melons, c'est les pastèques. Mais n'importe quoi, les cerises, c'est les nibards. Mais alors, du coup, mais t'aimes les tout petits nibards, alors, hein, parce que les cerises, c'est pas très gros quand même. Hein. Ouais, j'aime bien les petits nibards, regarde alors, quoi. Je te l'ai dit, hein, mais les cerises, chez nous, c'est les glands. Hein. Fais attention, parce que si tu dis que t'aimes les cerises, ça veut dire que t'aimes sucer les glands. Tu viens de me faire une révélation de baiser, là. Je te promets, c'est vrai, par contre. Elle a discussion, elle a aucun sens à grand-mère. Mais les cerises, pour moi, c'était vraiment les tétés, quoi. Non, les tétés. Au pire, t'as les olives. Ça, c'est les tétons. Les olives? Oui. Les mamelles, c'est les pizzas. Donc, généralement, tu demandes à une fille si elle a des grandes pizzas ou des petites pizzas, des petites olives ou des grandes olives. Vous enculez, hein. Mais je comprends jamais rien aux femmes, hein, moi. Je t'ai fait un cours, hein. Je suis désolée, je suis obligée, hein. Non, les femmes... Non, mais les femmes... Mais dis jamais une femme que t'aimes sucer les cerises. Non, hein. non, pas les cerises, mais là, tout ce qu'elle raconte, vas-y, ça y est, frère. Et vous l'avez comme ça tous les jours avec vous, elle? Oui, ouais. La meilleure. Si, claro.
On parle encore de cul là. Elle lui a fait un coup de cerise, de. De melon, de pêche, de pastèque, de pizza. Et pour toi, émoji cerise, c'est quoi? C'est le sexe. Mais c'est les tétés ou c'est les coucouilles? Bah pour moi, ça ressemble plus à des coucouilles quand même. Parce que lui, il aime sucer les cerises, alors bon. Ah, bah la sucette à la cerise, genre. Les tétés. Les tétons. Mais non, ça c'est les olives, les gars, faites un effort un peu. Les olives? Mais oui. Putain, t'as pété les plombs, toi. Mais claro que non, t'es dit, tu demandes si la personne a les deux grosses ou des petites. Le cul, c'est la pêche, ça c'est sûr. Oui. L'abricot, ça peut être la chatte. L'aubergine, l'aubergine. L'aubergine, c'est la caquette. Pourquoi ça parle de chatte? Pourquoi ça parle de aubergine ou d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai lancé la conversation, tio. Je sais pas, ni toi. Attends, t'as dit quoi la fraise? Aubergine ou d'eau. Ça, elle disait, ça veut dire suce-moi l'aubergine. Mais 03, il y a une meuf pour toi là. Une grosse folle, une grosse folle comme toi. Elle parle bien, ma secrétaire, quand même. Non, non, je te jure, elle, vraiment, elle est folle. Hein. Je suis pas folle. Je suis la tour pantou. Elle profite de la vie, folle. Quoi. On dirait Borat. On dirait qui? Borat. Vas-y. Bon, là, qui se dépêche là, mais oui, il est long. C'est long, MP, hein. Fou. Du coup, t'aimes soucer les cerises. J'avance. Ouais. Ok. Moi, je te ferai toute une salade de fruits si tu veux. Alors, 03, prends le relais par pitié. Là, je parle avec la folle du bus pour pas mourir. Là, je te jure. On était où? On était où? Il s'oublie depuis tout à l'heure. On va tarder à partir. Du coup, dites-nous. On va aller au Termano. Eh oui, il faut que je dise quoi? La folle se me tue. Ah, on du gros Whitney là. Apparemment, elle est pas si folle que ça. Je sais pas à quelle étape il en était, parce que moi je commencerai par la langue dans le baltrou, moi. Hein? De quoi? Quel trou? Ton trou du cul, ton anus. Ah, claro. Tu veux les prendre maintenant, là, tout de suite? Là, je pourrais cracher avec ma bouche et ma queue. Aïe! Mon dieu, mais tu es un vrai trapéziste, toi, non? T'es souple un peu. On peut venir à 6 sans te détruire, hein. ça change rien, sûr. Oh, waouh! Ah oui, carrément! Tu n'es pas capable de me prendre tout seul comme un grand garçon, tu es obligé d'appeler tes petits copains de la cour d'école. Non, c'est juste que les autres ils pourraient m'arrêter tandis que moi je pourrais te tuer. Oh, que bonito, j'aimerais bien voir ça. On t'appelle les marteaux-piqueurs, non, tant qu'on y est? Non, on m'appelle la grosse bite. Oh oui, grosse bite, ça dépend, bon, ça, tu sais, c'est un peu les rêves de tout le monde, mais au final, quand tu la sors, tu te retrouves comme tous les autres, hein, la même taille. Alors comment t'expliques que je m'en sers de ceinture actuellement? Attends, alors j'ai le droit de couper ta ceinture là aussi? Bougez non pas. Mais tu peux lui faire un bisou. Oh, je peux m'amuser à faire un bisou. Oh là là, allez, vas-y. Waouh, waouh. Eh ben vas-y, on va faire ma queue. Il y a le bison, Si tu fais ça là maintenant... Ok, du coup, Ménos. Ouais voilà, ça prend. Ménos, tu rejoins dans le bison. Attention. Riz 03, vous allez dans le bison aussi. Il a failli me trouver la queue. Bison, j'y vais. Riz 03, bison. Pas avec la meuf, s'il vous plaît, pas avec la meuf. 03, bison, 03. Bison, d'accord. Oui. Ménos, tu vas avec eux? Avec le capitaine El Camino. Les autres, vous les prenez sur le moto. Claro. Allez, vous montez en moto. La torture psychologique du truc, tu sais. Ah, je te jure. Je pense que ça. On va voir si ça lag ou pas, la caméra. À mon avis, ça va laguer. Hein. Ou pas. J'ai l'impression que ça passe, là. Voilà. Ah, la scène, elle est lunaire, cherche pas. Allez, on y va. Tu sais où c'est? Merci pour les follow. Je pense que je sais comment elle conduit, demoiselle, et que je prends la. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Et j'y vais l'encouler. Je vous ai entendu, mademoiselle. Hein. Quoi? Je vous ai entendu comment elle conduit l'autre. Vous cherchez les problèmes, hein? Non, non. C'est. Un peu quand même, hein? Non, non, un partout, on a dit. Pourquoi vous êtes habillé comme une éclodon? Bah, c'était une camouflage. Ah! Pas mal, je vous aurais pas reconnu, hein? Oui. Vous êtes choqués, je suis désolée. Ça bug, ouais, je sais, attendez, j'enlève la cam. Faut vraiment que j'arrive à retrouver mes paramètres. Non, j'ai pas réussi, ça bug, j'ai vu. Il y avait des lags, hein. J'ai pas rêvé, hein. Il y a du lag? Il y a du lag ou pas? J'ai vu du lag, moi. L'accent est incroyable. Merci beaucoup, Marcello, c'est gentil. Muchas gracias, amigo. J'étais grave hype. On s'est fait enfler les fesses.
J'arrive. C'était qui le petit farfadé derrière le conteneur à 20 mètres des bombes? C'était moi. On est parti dans une conversation lunaire. Même mes discours, mes notes, c'était des vrais. Merci pour tous les follow. Eric, votre collègue, il est quand même assez... Moi, je suis pas tombé dedans, vous savez. On va dire qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages. Il y a trop de lumière. J'ai juré, tu m'as tué de rire. Ah, mais attends, je suis en train de checker un truc là. Les amateurs de Ricard, ils sont sur la même moi, tu peux me lancer sur n'importe quelle conversation. Il n'y a rien qui me mettra mal à l'aise. Je t'ai pas dit, j'aurais un coup de jouer deux fois. Comment tu le bois, le Ricard? Bah, pas trop dilué, donc lui quand même. Oui, non, mais d'accord, mais tu mets de l'eau ou tu mets autre chose? Ah, de l'eau, c'est pas bon, de l'eau. Comment ça, autre chose? Je sais qu'il y en a qui les boivent avec les coca, mais ça c'est dégueulasse. Du jet 27. Ah, du jet. Oh, oui, c'est bon. C'est un cimetière, ça. Ah, mais c'est bon. Mais vas-y, mais dégoût. Le coca, j'ai déjà essayé. Merci pour les follow. Un coca, c'est un mazout. Ouais, c'est ça. C'est bon comme tout. Mais ouais, ça a les goûts du stop tout. Mais non. Mais voilà, exactement. Mais c'est vrai, ça a les goûts du stop tout. Putain, mais oui, stop tout. Ça marche bien, ça. Claro que si. C'est beau mot de ma grand-mère. Ah oui, mais tout le monde, hein. Tout le monde a une abuela qui bouffait des stop tout. Qu'on avait plein le sac. Claro que si. Ils étaient venus du long. C'est tellement vrai. Ah, j'ai la caméra qui bug. Attendez, j'enlève. Hop. Désolé. Merci mes amours, des gros. Merci pour le sieb. Merci beaucoup. Gros bipou, Cooker, merci un milliard de fois, hein. Vraiment, merci. Cooker del Barrio. Et merci pour les follow, évidemment. Faut vraiment que j'arrive à retrouver les paramètres que j'avais hier. Je vais péter un plomb, je vous jure, ça m'en ouf. AMD, c'est bien, mais pas pour Twitch, clairement. C'est un rire d'antagoniste des années 90. Mais non, Blanche-Neige. Ouais. Quoi, là, il y a une sorcière dans Blanche-Neige. Papa. Ça va, la secrétaire? Ça va, il y a toujours la pêche, on t'y met, connais, moi, dès que ça parle. Prenez à droite, ouais, à droite. Attends, ils se sont arrêtés derrière. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. C'est bien. C'est pas grave, t'es sûr. Comment ça, on a des blessés? Comment ça, on a des blessés? Il faut changer de pilote. Ça, mais qu'est-ce que ça fait dans les bisons? Pourquoi vous m'invitez pas quand ça fait des bruits bizarres? 4602. Pardon, désolé. Tata, on est pas en otage là. Si, c'est vrai. Il baise aussi, c'est pas ma faute, hein. Oui, bah arrête de vouloir être... hein. Tu vas te faire baiser bientôt, normalement. C'est vrai. J'attends. Merci Cooker, t'es un amant. Ah ouais, c'est beau, hein. Mais non. Il faut un code pour rentrer, hein. C'est compliqué, hein. Voilà. Ouais, c'est les codes. J'avais le bip, mais vous l'avez jeté dans. Il était dans mon sac que vous avez jeté. Oui, alors. Oui, t'inquiète pas, on va la faire autrement. Y'a quoi? Y'a des trucs à braquer là? Y'a des. Je sais pas. Elle était motivée là, hein. Allez, avance. On pourra revenir derrière ma moto quand tu veux. On avance. Ouais. J'ai le temps de pipi tsunami ou pas moi? Oui, pipi tsunami. Les gars, je vous jure. Vas-y. Ok, j'ai pas la gorge, excusez-moi. Tu en quoi? Vas-y, mais attends, je suis là. Oh, vas-y. Et vous près des cartons là, à gauche? Ah, la boulette. Aïe, la boulette. Oh, fils de pute. Ah oui. La boulette. Je vais faire ça, moi. J'espère que vous avez un ingénieur. Ah, mon ingénieur là. C'est pour le S. Attends, on avait des ingénieurs là. Vas-y, je me dégage de là. Je comprends rien. On est pas ingénieur, donc quelle question. Mais tu peux nous ouvrir. Merde. Hein? Oh, laisse-les, on va le faire. Je suis trop nul à ça, je le jure, je peux pas le faire. Ah oui, c'est faux.
J'avais dit dans l'interview, j'ai dit c'est imbraquable. Hein. J'ai dit c'est imbraquable. C'est impossible. On va voir si notre est intérêt est fort. Hein. Ils ont déjà mis l'interview. Même truc de la banque. 33. Sinon je m'inclus. Ouais. C'est la même chose que la banque. C'est pas pour moi. Salut Oz. J'ai oublié de m'inclure. Excusez-moi. Putain, la cam, parce que ça galère. Chaussures. 33. Tu couilles des yep. Non, c'est parle mieux à 33, la dernière parle mieux à 33, putain, enculé, parle mieux à 33, je te le dis. Je parle, c'est à toi que je parle, ouais, c'est quoi, tu vas me tuer, Bah oui, je vais te tuer. Bien parler au non. Bah si. C'est bon. Ah, évidemment, je vais te tuer, hermano. Vous voulez que je regarde dans la poubelle? Faites pas ça, s'il vous plaît, faites pas ça. Ferme-la. D'accord. En fait, il y a une clé de secours, mais elle est cachée, si jamais je peux. Non, mais il va réussir quand même. On va voir sa tête dans tes poubelles. J'avoue, j'ai jamais réussi de ma vie, ça. Je vais ouvrir avec toi. Oui. J'espère qu'il y a des chaussures pour toi. C'est pas facile à faire, mon petit cousin en CP, il l'a réussi en 3 coups. Voilà, attends, j'ai une tennis. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, qu'est-ce que. Non! Non, je crois que c'est bon, il a réussi du coup, non? T'as réussi? Non, bah non. Non, mais attends, t'es ouvert. Bah c'est moi. Ah, mais c'est lui, il a réussi, c'est lui. Vas-y, rentre, on va regarder. Je mets les mains dans les poches. Voilà, les mains dans les poches. Pas mal. Putain! C'est bien, le nombre de droits qu'il doit y avoir ici, les gars. Alors comme ça vous entreposez tout ici. Vous allez voir. Il est où le labo, Riz? T'as dit quoi? Il est où le labo? Attends, il est là, tu me laisses Oui, vas-y. Imbraquable, non? On prend pas d'armes. Imbraquable, hein. Imbraquable. Vraiment, hein, il a tenu au moins 2 heures. Non, vas-y, juste désactive. Si. Je surveille les otages, là, c'est toi. T'inquiète, vas-y, juste une personne, ça suffit, vous avez pas besoin d'être... Okay. Juste une, hein. C'est jamais, c'est juste que bah, si ça arrive, moi je peux rien faire quoi. Merde, putain, désolé. T'entends pas, juste t'entends pas. Voilà. Voilà, c'est parfait. Bref, tu peux rentrer le bison en marche arrière s'il te plaît? Ah oh, bah il faut que je décale. Ah, faut bouger les. C'est moi le pirate quoi, en fait. De la... C'est les mêmes trucs que la banque alors? Ouais. Okay. C'est moi le pirate, du club. Et il faut hacker en fait, il faut trouver un code. En fait, t'as des symboles et t'as des numéros et ça rajoute ou ça soustrait. Et il faut arriver à trouver le même numéro qui est écrit en soustrayant et en additionnant avec les symboles. Ok. Et en fait, ça fait comme des circuits et t'as des circuits qui se retrouvent et du coup, ça, c'est d'un chiant. A priori, il a chopé le truc, lui. Donc, tant mieux s'il a chopé le truc. Coucou, Tania. Tant mieux, il l'a fait vite, bordel. Moi, ouais, il l'a fait 3 vite. Jours, bon, bah, écoutez. Ah, une putain d'alarme. Ah, ça arrive. On braque. Bon, ils savent qu'on est là, du coup. Ils sont venus checker ou? Oui, ils ont. Ouais, c'est bon. Ah, il doit y avoir des putains de sécurité, des alarmes. Oh, putain, ils ont dit qu'il n'y a pas eu le temps. Surveillons quand même qu'ils arrivent pas. Ça arrive en grand nombre. Hein. Ça arrive en grand nombre. Hein. Grand nombre. Hein. Bah, je m'en doute. Hein. Il y a 3 coachés là. Hein. Ouais, il y a 3 coachés, une de chaque côté. Oui. On a négocié pour sortir. Bon, ils sont en train de finir. Putain, on avait pas dit qu'on arrêtait avec les flics là? Mais non, on a pas le choix. On récupère le labo. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à la table. On a pas le choix. Il reste oui, là, c'est la dernière chose à faire, je sais. Je vais négocier. Il y a un qui s'occupe des négos là? C'est qui? Dans la cube. Vous allez bien? Bonsoir. Vous approchez pas trop s'il vous plaît. Oui. On reste là dans tous les cas, j'allais pas plus avant. Sécurité, qu'est-ce qui se passe? La radio ça parle beaucoup. Alors attendez, petite question, on négocie devant ou derrière? Parce que là je vois que il y a des gens un peu partout. On fait quoi? Ah oui, c'est parce que vous avez pointé des armes sur nous. Mais du coup je négocie où? Des unités en renfort. Déjà, est-ce que vous avez des otages? Bien sûr, on a tout à fait des otages. Hep, on est en train de négocier, vous avancez plus, on vous tire des sous hein. Est-ce que vous nous tirez dessous? Pas très cool de dire ça en fait. J'y vais t'en couler toi. Est-ce que vous pouvez demander aux agents derrière de braquer mes gars? Ok, je suis trap sur la backup 2. On a les Mayans qui ont toute la DOA en otage et qui veulent entamer des négociations.
Pour le coup, nous on voulait pas négocier, mais vu qu'on n'a pas trop le choix, vu que vous êtes là, les unités au niveau de ma boîte, vu qu'on est là, du coup, on va radio 2, s'il vous plaît. On n'a pas le choix, ouais. On n'a pas les choix, hein. Effectivement. Puis en plus, vous arrivez en nombre, hein. Vous êtes sortis ce soir, vous faites chier ou comment ça fonctionne? Ils vont arrêter de les braquer là. Dans tous les cas, vous leur passez un sein. Est-ce que vous braquez des otages? Non, appelez radio là et dites-leur d'arrêter de nous braquer derrière parce que ça va commencer à mal terminer. Ok, ouais, mais si vos collègues braquent. On a toute la DO en otage, donc c'est simple, on fout une balle tête à tout le monde. Ok, ouais, mais très bien, on va faire passer le message. En fait, à partir du moment où vos collègues baisseront les armes, mes collègues baisseront les leurs. C'est oui, mais il faut qu'ils reculent. Dites-leur de reculer, c'est pas si compliqué que ça non plus. C'est bon, c'est les bon. Les mecs, ils arrivent, ils nous braquent. Les unités côté est, on vous demande de reculer un petit peu, s'il vous plaît. Mais bon, je vais juste demander simplement si vous pouvez arrêter de braquer. Elle a dit d'accord. Ah. C'est pas compliqué à faire. Ils sont gentils, on dirait pas comme ça. Bien sûr. Bon, moi j'ai l'impression qu'ils se font chier parce qu'ils sont tous venus, tous. Vous faites chier ce soir, avouez-le. On va dire que ce soir, il y a plus d'unités qui est venu que prévu. Oui. C'est normal, on a vos collègues. Ouais, on a la DO en même temps. On comprend. Ah, il est là, les beaux gosses. Coco. Moi, je suis arrivé en premier. Il est là, Riri. Ah, il est pas là, Riri. Laisse négocier. Du coup, pour les agents, je vais demander de prendre un maximum de photos, s'il vous plaît. Alors, je fais juste un petit topo, on est juste en train de récupérer un petit peu. Ok, moi je veux. Okay. Avant que vous fassiez les négoces là, avant. Oui, je veux voir les agents. Après, ils peuvent rentrer, mais je veux voir s'ils vont bien. Oui, bien sûr. Mais ils vont bien, on va vous les montrer. Vous mais qu'est-ce qu'ils vont bien? Bah, on vous les ramène, vous inquiétez pas. On va vous les ramener, tronc. Faut aller juste demander. Ça me fait l'urticaire, hein. Bah oui, mais faut arrêter, hein. Faut mettre de la crème, mon TXMA, et puis c'est bon. Tu vas prendre les négociations du coup, c'est ça. C'est 15, il continue. J'arrive. Vas-y, je t'attends. Très bien, monsieur, afin de commencer la procédure de manière correcte, ouais. On va vous demander de venir nous présenter les otages un par un, s'il vous plaît. Et ensuite, on pourra passer aux revendications et aux demandes. C'est ce qu'on est en train de faire. Mon collègue est allé chercher un par un. Mais ça, c'est vif, ça, c'est efficace. Oui, on est efficace, nous. Mais tu sais, on n'a pas envie de traîner non plus. On n'est pas là pour prendre racine. On est juste venu récupérer notre dû. Et ensuite, on s'en va. Il n'y a même pas besoin de partir plus loin. On récupère ce que vous nous avez volé. C'est pas joli de voler, monsieur. Comment ça? C'est pas bon. Moi, j'ai tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai pensé que la police, on volait pas. Voler, c'est pas bon. Je suis d'accord avec vous. Voler, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il faut pas voler, monsieur. Faut pas prendre les affaires des autres. Hein. Vous avez pris toutes nos machines. Ah, vous êtes fait voler vos machines. Quelles machines? Ah, des machines très utiles pour nous, vous voyez. Ah oui? Si. Non, ça change rien à ma vie. Hein. Bonsoir 18. Oh Gobain, il est là, vous voyez, tout va bien. Dites-lui, tout va mon bien. Babin, mon Gobain. Ouais, coucou, c'est moi. Voilà, pris pour en Gobain, otage. Vous allez bien, ouais, 18. Ouais, pris en otage pour la 18e fois par les Mayens. On a pas l'habitude de violence maintenant. Physique, pas de violence quelconque. Non, ils sont très cordiales. Hein. Ils nous ont juste arrosé d'essence et menacé au cocktail Molotov. Voilà. Oui, mais ça, c'est parce que la discussion, c'est un peu. Vous ont arrosé d'essence? Oui, c'est un peu. On a fait un cercle de prières autour. Faut pas abuser non plus. Ouais, c'est voilà. Tout. Oui, exactement, oui. Oui. 18, voilà. C'est pour enlever les mauvais oeils. C'est aussi simple que ça. C'est dans notre tradition. Parce que la dame, elle a le cul, alors du coup, elle voulait qu'on ait aussi chaud qu'elle, quoi. Exactement. Voilà. Vous êtes combien en tout, s'il vous plaît? Y'a qui avec toi là? Y'a 33, y'a 26, y'a 03, y'a 113, y'a moi. Ouais, mais nickel, on va passer à la suite s'il vous plaît, messieurs. Allez, next par deux, s'il vous plaît. On est en otage, on est 11 ou 12, je crois. Vous avez été disqualifié, répartez. A tout à l'heure, les collègues, à tout à l'heure. Bon, sois pas trop content, sinon tu vas pas les retrouver, tes collègues. Oui, arrêtez de pointer l'otage, s'il vous plaît, sinon on va demander à nos agents de vous pointer. T'es pas en vacances là. Vous avez vu, ils vont bien, vos collègues. Bah j'espère bien. Bah oui. C'est le minimum. Bah quand même, on n'est pas non plus hein, des monstres, on sait se tenir. Hein. Elle va bien la demoiselle là? Comment? Mais ça va pas bien. Comment dire, ça va? Non, vous voulez pas venir les voir pour leur poser des questions là? À qui? Ah bon, pour 4 loustiques. Pourquoi ils ont fait quoi? Je sais pas, vous voulez leur parler pour savoir si tout allait bien. Bah, je vais voir si ils vont bien après, voilà quoi. Vas-y, venez. Venir voir avec nous.
Vous prenez deux gars de vous. Vous les sortez un par un quoi de... Oui, vous nous les ramenez ici, ici oh, on oui, négocie s'il vous plaît. Oh mais okay. Vas-y. Ah, prenez-en deux par deux. Hop 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 hop. Ah t'es peur hein. Hop hop. J'ai pas bougé. Eh hey, les collègues, faut aussi sur le reste, reste la balle. Ça se rapproche tout doucement. Je pensais que vous aviez une distance de sécurité. Oui, bah la distance de sécurité est respectée là. Ah, je sais pas, je sais pas. Je vais pouvoir faire petit pas par petit. Vous communiquer de manière correcte, correctement, madame, évidemment. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On se comprend, vous et moi, bien sûr. Ouais. C'est quoi votre petit nom à vous? Moi, ouais, c'est Echo et vous. Echo? Ouais, et vous? Sois ferme, Echo, sois ferme, ferme. Echo, c'est joli. Echo. Ouais, c'est joli, c'est joli. Ce sera encore plus joli quand vous serez en cellule. Oh. Bah, ça vient du Japon. Mais vous êtes. Il est tendé, commandant, votre petit Echo. Bonjour, 33, vous allez bien. Les collègues. Salut, oui, les collègues. Vous avez été bien traités. Vous avez très, très bien. On a fait une mission de moto, tout ça, tout ça. Moi, je suis bien. Vous en partez, vous mangez, vous buvez bien. Moi, on a failli me trouer la bite. Il va falloir m'expliquer comment tout le monde s'est retrouvé en Italie. Vous voulez pas une tenue un peu plus sympathique quand même? Vous êtes tombé dans un plan, commandant. Je me méfie, mais allez, attendez, vous et votre tennis, on va en prendre soin. On va le sortir de là. Putain. Merci, bon sûr, ça va bien vous saler. Oh, et que par contre, t'enlèves le cuir. Hein. Non, mais je vais vous la rendre. C'est bon pour vous, monsieur le négociateur? Oh, mais pas sans dire une pute. Oui, c'est bon pour moi. Non, t'es garde, mais t'enlèves les cuirs. Tu me rends les cuirs. Ah, moi, je peux tout vous rendre, hein? Non. Je vais avoir une petite photo de toi, c'est clair. Pas mal le chapeau, pas une mal. Photo ça lui va bien, hein? On est d'accord, hein? Bordel. 0333, on est bon? Allez, go. Attends, je fais la photo. Okay. Merci, c'est bon. Tu restes comme ça, hein? Un petit souvenir de moi. Où est votre petit chapeau marron, monsieur? Moi, je préfère encore être à poil. Vous mettez à poil nos agents, ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On n'était pas à poil nos agents comme ça. Mais ça j'aime pas, hein. Oh. On s'arrangera à notre moment plutôt. Elle était pas contre, hein. Attention, hein. Mais on vous voit. J'ai fait jamais rien sans les consentements, monsieur. Hein. Ouais, oui, si, moi. Hein. On vous lâche pas des yeux. Hein. Non, mais me lâchez pas des yeux. Moi, j'adore quand on me regarde faire. Ah bon? Si, claro. Hein. Vous aimez pas, vous? Bah, franchement, j'adore également. Ah, ben voilà. C'est ce que j'ai dit. Un petit leur cœur, encore. Toujours les mêmes. Oui. Vous, quand il y a un petit trou, je suis sûr que vous y mettez votre doigt. C'est quoi les 4 lettres qu'ils ont? Ah, toujours, toujours. Hein. Ah, ça m'étonne pas. Hein. Vous également, non? Non, moi, je mets jamais les doigts là où je sais pas ce qu'il y a derrière. Hein. Je suis pas idiote. Ouais, hein. Bah, ouais. Bah, vous savez, on n'a qu'une vie, hein, faut en profiter. Hein. Oui, bah, votre vie, elle va pas durer longtemps. Hein. Bah, vous savez, c'est pas très grave, ça. Vous savez, c'est comme on dit aux enfants, faut pas toucher les feux et après, vous allez toucher les feux. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. On aura besoin d'essence, hein. Ok, bonsoir 113. Soir les collègues. Vous allez bien? Ça va, Marine? Ça va bien? Mais déçu 113. Pourquoi? Vous avez bien été... Ben oui, mais en fait, c'était... En gros, recule. C'était un guet-apens, ils ont fait des plantations et ils nous ont attrapés là-bas, commandant. Tiens bien ta ceinture, j'ai l'impression qu'elle est en train de tomber. Vas-y, tu peux me la raccrocher, s'il te plaît? Non. Allô? D'accord. C'est bon pour toi, monsieur le négociateur ou pas? Pas de problème, 113, vous faites pas tapis ou quoi que ce soit, vous manquez de rien. Non, ils sont... Ils sont passifs agressifs, Ok, bon, on va vous sortir de là. Moi, je suis pas merci. Passive. Hein. Voilà, tes collègues... J'ai entendu mon nom, passif agressif, hein. C'est moi, ça. Comment ça? Passif agressif. C'est Aris qui a dit ça. Revac, tes collègues, c'est bon. Ok, d'accord, ça marche. Super Riz. Il reste que 26 et c'est bon, je crois. Allez, les derniers, on est bon. Avec des gens un jour, allez, tout parfait. Tu vois, on t'a dit, on ferait les choses correctement. Voilà, la vivacité, c'est ça qui est bien. Bon, bien sûr. C'est vif, ça va, c'est comme un engrenage, tout passe tout seul. Exactement, il n'y a pas un grain de sable, il n'y a rien qui couine, il n'y a rien qui grince. Voilà, c'est tout parfait, c'est même pas rouillé. Mais voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais. Depuis le début, je te l'ai dit, tu peux nous faire confiance, on ne fait pas les bêtises. La plus jolie. Tadam ah, monsieur le négociateur. Ah, quel cool. 10-4. Ah, coucou 26, ça va?
Oui, bah super, génial, à ton avis. Salut, Rix Glitcher. Merci pour le follow. Oui, moi aussi. Super, merci, je compte sur vous. Elle est ravie, hein, sur ses voix. Ouais, ça se voit. Toujours. En même temps, vous prenez en otage des agents de police. Mais on n'a pas pris en otage, on les a demandé s'ils voulaient nous accompagner sur un point un petit peu complicado. C'est tout, il n'y avait rien de mal. Mais très bien, bon, maintenant qu'on a fini avec les otages, on va pouvoir passer aux négociations. On veut de l'essence. Ok. Vous voulez combien de bidons déjà de... Okay. On va en avoir besoin de beaucoup. Par contre, recule-moi dessus, hein, je te dirai rien. Et du coup... Bah, on... Dites-moi rien dans ce cas-là. Non, je rigole, je vais préparer la bidon d'essence. Oui, bon. On a besoin d'essence et je pense qu'on va avoir besoin de quelques bidons. Hein. Quelques bidons avec un S. Quelques bidons. On a quelques motos. Avec un S. Ouh là là, et qu'est-ce que vous proposez en essence de ces bidons? Et combien de bidons? Donnez-moi un chiffre précis. J'en sais rien, tout dépend. Parce que laissez-moi, moi, ça tient qu'à moi, je vous en donne que deux, quoi. Oui, mais si tu nous en donnes que deux, on te rend aucun otage. C'est nul, les deux bidons, ça vaut rien. Tu es d'accord? Bah, ça vaut au moins un agent, hein, voire deux. Hein. Deux bidons, un agent? Non. Ah, bah voilà, donc va falloir qu'on se mette d'accord maintenant. Parce que sinon, moi, je vais vous proposer des trucs et vous allez me dire non, je suis pas content. J'aime pas, mais oui, mais toi, tu proposes et moi, je t'ai dit si tu as une bonne idée ou si tu n'as pas une bonne idée. Combien vous avez de motos? Ça dépend. Bah, c'est ce que je t'ai dit, laissez-moi les temps. Voilà, j'aime bien ça, j'aime bien. Et vous allez partir dans quelle direction qu'on, au cas où, histoire de... Oh, ah, bah tu sais, on est un petit peu comme des fourmis. Tu tapes dans la fourmilière et ça va dans tous les sens, hein. On s'insinue dans les trous, là où il y a la place. Ah oui, mais dans ce cas-là, si on prend dans tous les sens, ouais. Et que tout est bloqué, vous faites comment? Non, mais on a des motos, bébécito, on peut passer. Ouais, oui. Oui. Non, mais... Et les bisons. Enfin, non, mais les bisons. Je te taquine juste sur les mots, t'inquiète pas. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils veulent partir, mes hermanos, mais je pense qu'on va partir par ses côtés. Je pense que c'est le plus simple. Ok, Discad. Bah, dès que vous avez l'information de quel côté vous allez partir, merci de nous tenir en compte. Merci pour le prime, le castreur. Coucou, c'est le sushi. J'aime bien grandir le trou. Alors, attendez. Merci pour les follow, merci pour le sub, merci pour votre présence. Discal. Aïe, ça a un peu. Ah, ça y est. Tu voulais quoi? Bah, je l'ai écrit sur le truc, hein. Combien... Est-ce que vous voulez des licences ou pas? On m'a dit qu'il y avait besoin. Ouais, prends. Trois jerrycans. Prends un point de jerrycan. Ok. On avait donc des trois jerrycans d'essence, s'il te plaît. Ça va être bon pour l'essence ou pas? Ça va être chaud. Bah on attend de savoir ce que vous voulez en fait. Parce que vous nous dites on a des motos qui ont besoin d'essence, mais c'est pas combien de motos. Je viens de te dire 3. Pas... motos. Ok, nickel, vous voulez 3 bidons. Ok, pour 3 bidons, c'est me... moi je vous propose. Ok, ouais, pour 3 bidons. Si on peut. Je un otage. Pour les avoir. On est sur... Un otage. C'est un otage. Un otage pour 3 bidons quand même. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit 2, un otage. 3, c'est juste un des plus. Un otage. C'est bien. C'est propre. Franchement, je vais revenir vers elle. Vers vous. Oui. On a combien d'otages? On a Winter, Esther. 2, 3. On a 5. 5 otages, on a? Non, on a plus. On a Riz. Ok, man. Pour les bidons, je suis d'accord avec un otage. Je vous demande pas un deuxième otage, par contre, j'accepte la demande des bidons à l'unique condition que on définisse immédiatement, là tout de suite, un point de fuite de votre part, qui est celui sur lequel nous discutons actuellement. Okay. Pour les motos et les bisons. Point de fuite, on part de ce côté pour les motos et les bisons. Est-ce qu'on part de ce côté là où on est actuellement? Ouais, on part ici, ouais. Pour les bisons et les motos. Ouais, tout le monde. Ok. Tout le ça monde. T'es okay, nickel. Nickel. Dans ce cas-là, je vous laisse ramener un otage. Me ramène un otage. Et on va vous ramener les bidons qui sont déjà sur. Ok. Merci. Muchas gracias, señor. Vous êtes très gentil. Vous faites bien votre travail. Comment, madame? J'ai dit merci. Bah, on essaye, vous savez. Hein. Bah, continuez, vous les faites bien. On fait de son mieux. Hein. Oui, claro. Vous étiez combien de véhicules? Vous étiez que ces trois-là ou il y en a encore d'autres cachés derrière les grillages là-bas? Bah, il y a des motos.
Il y a des motos qui seront là pour vous. Des motos pour moto. Les motos qui sont là, ok. Il y aura deux dés à votre bison. Et le reste des motos, bah. Comme okay. D'habitude. Claro. La liberté, c'est pour toi. Oh, j'entends une voix. Oh, c'est toi qui tombe à la première. C'est triste. Hein. Oh, vas-y, 30 ans, tu peux y aller. Vas-y, viens, on fait ça allez. Vite. Allez, allez. Bonne soirée. Venez, monsieur, avec le sac. Dans mes bidons. Hop, monsieur, avec le sac, on va vous donner les trois bidons. Hop, hop, hop. Non, tu me voles pas mes lunettes, elles sont attachées. Fous le chapeau. Allez, donne. Arrête de bouger partout. Elle vient d'où, cette bâtarde, là? J'espère qu'ils sont pas vides, hein. Merci. Non, je... On en est où là? J'ai confiance. On en est qui. Je pense qu'on va les faire bouger, on va y aller. Hein. Okay. Je pense qu'on est bon. Bon, du coup, la suite elle est comme d'habitude. On t'y connaît les otages pour la laisser passer et puis après on y va. Ok, très bien. Alors. Déjà, avant de partir, on va faire comme d'habitude, je suppose que vous connaissez, on fait les motos partir goutte par goutte, vous savez. Alors la dernière fois, tout le monde est parti en même temps, ça n'a pas causé des soucis. Hein. Goutte ouais, par goutte, là, c'est un peu beaucoup là, parce qu'on est nombreux, tu vois, donc ça va être compliqué. Je pense qu'on peut faire 3 par 3 peut-être. Non, arrête, arrête. 3 par 3 hein. Qu'est-ce que t'en penses? Arrête, 0-3 c'était plus. Comment c'était? Moi je vous propose 2 par 2. Tu veux faire des par deux? Moi. Je sais pas si je dois être gentil ou si je dois être méchante avec toi. Bah, jusqu'à maintenant ça se passait bien. Jusqu'à maintenant ça s'est passé bien. Mais pourquoi on ferait pas 3 par 3? Dites-moi qu'est-ce qui vous plaît pas dans les 3 par 3. Moi j'aimais bien quand on est 3. Parce que c'est un nombre impair. Mais justement, c'est ça qui est bon. Non, justement, c'est pas bien. Non, 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 faites-moi confiance. Les paires, c'est trop symétrique, tu vois. On va vous rendre 2 otages pour libérer une voix. Celle-ci. D'accord. Ok, nickel. On part deux par deux parce qu'on va être gentil. On part deux par deux, on part pas au compte égout et on fait deux motos par deux motos. On va mettre en place la. Ouais. Et les bisons, vous les en dernier? En dernier, si vous le souhaitez. Ça vous va? Ouais, ça me va. Si c'est. Moi, c'est. Ok, du coup, là, on a 2 otages qui vont être libérés pour la libération de la voie côté négociation. Pour le départ, ce qu'on fera, c'est qu'on ira se mettre là-bas au niveau de la barrière. Ok. Pour que ce soit plus fluide pour vous et que personne ne soit bloqué par les barrières. Parfait. Et à l'avance, vous. Voilà. On est en train de justement libérer les voies, de mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous puissiez partir. Comme à votre demande. Heureux à vous, les collègues. Merci. Le bison, il partira quand il a envie de partir. Hein. Ça sera pas négociable, ça. Ah, bah voyez. Ouais. Les motos deux par deux, ok. Mais le bison, il part quand il a envie de partir. Coucou Lorga, comment ça va? Bon, il y a des coulots. Une petite corde, vas-y viens là. Qui part avec moi? Allez hop, je sais pas. Les pieds, voilà. Commandant, il m'a ligoté. Commandant, il m'a ligoté. Commandant. Qui part avec qui du coup, que je sache un peu là? Il est pas là, commandant, il est en pause. Ceux qui partent, ils partent. C'est des par deux, donc faites comme ouais, vous voulez. Il faut se rapprocher de la rue. Faut qu'on se rapproche. Allez, on se rapproche. Allez, on se rapproche. Moi, j'ai pas trop d'essence, il reste un bidon ou pas? Putain, elle a sucé le temps qu'on est mis. Salut. C'était là, la madame. Bah, madame, vous faites quoi, là? Je viens juste de regarder. Hein. Ah, okay, sortie, okay, okay. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Laissez le bison partir en premier. Ouais, si. Pardon. Ah! Il faut bouger avant de se faire bloquer. Hein. On a les deux otages qui sont là-bas. Dès qu'ils vont comprendre qu'on les appuie, ils vont bouger. Hein. Allez, le bison là, allez, faut y aller là. C'est quoi les valeurs aujourd'hui? C'est quoi? C'est TikTok? Les smartphones? Ça veut plus rien dire maintenant, les valeurs. Un baiser sans sentiment, c'est ça que vous faites? C'est bon. Oh là, le bison est comme ça.
Désolé. Avant que ça lag. Parce que pour moi, ça lag déjà de ouf, hein, je veux dire. Faut que je prenne les grandes voies parce que je vais pas réussir à tourner. Donc partir, ma hermana, c'est bon? Ouais, je suis en course poursuite là, c'est bon. Parce que Carlos, il a balancé un molotov sur le pouilleux, ça. Il a quoi? Il a balancé un molotov sur le pouilleux. Mais non! Si, parce qu'il faisait que le chauffer, il disait t'as pas les couilles. Arrête! Donc vas-y, prends ton temps, concentre-toi, tranquille, ça va le faire. Ouais, bah du coup, raccroche! Vas-y, je raccroche, t'inquiète. Ciao! Je sais pas qui c'est qui me suit, mais... Il me trace sur les... Je sais qu'ils sont pas bons sur les virages, donc faut vraiment... Ah, il me colle, hein. Ça va se jouer sur l'essence, ça va être casse-couille. Si j'ai pas d'accident avant, évidemment. J'arrive, hein. Oh, aïe! Oh my god! Aïe! On continue un peu? Ah. Allez, viens. Putain, j'ai pas de. Je me suis pas fait bobo. Non, mais c'est abusé, là! Ah oh bah alors là. Non mais ça va, en plus le pire c'est que je vais bien. Mais c'est pas possible. Non mais j'en sais rien, j'y vois double, qu'est-ce que tu veux? J'ai la moto, elle va partir en couille, hein. Allez, on se reconcentre. J'ai même pas cette route. Ouais bon bah j'y allais, c'est mort, j'en ai marre. Aïe. Le pire c'est que je vais bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh bordel, bah là vous allez pas bien madame. Là vous allez pas bien madame. Wow. Oh putain. Oh, ils ont roulé sur sa moto, ça a explosé. Oh. Putain, elle m'a dit qu'elle allait bien en plus. Oh putain, je passe Radio 15. Qu'est-ce que tu fais, Manny? Qu'est-ce passé? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as écrasé la moto? Je sais pas. Mais non, j'ai pas touché. J'ai pas de cul. Mais non, là tu gueules. Ça, ça va madame? Restez avec moi, putain. Oula, madame, ça va? Oh là là, le Malik. Oh là là, il a tué, pris le souffle. Est-ce que vous Malik, pouvez faire un clip que je montre ça aux mecs parce qu'ils vont rigoler, ils vont se foutre de ma gueule? Oh là là. Oh Malik, t'es dans la merde. Ah ouais, mais c'est pas grave. Je te dis, t'es dans la merde. Il me disait tout va bien, j'ai pas mal. Tiens, tu l'as fumé. Il a explosé. Tu vois très bien que ma voiture. Mettez tout sur le côté là, faut pas que ça gêne la route. Oh putain. On la touche ou pas? Non, on la laisse là, les médecins ils arrivent, je les appelle. On la touche pas. Malik, t'es dans la merde! Oh, t'es dans la merde, mec! Ah non, je pense pas, c'est excellent. Ah, c'est une voiture piégée, les collègues. Ah, on va pas la laisser là, les collègues. Je m'en occupe. Allez-y, les collègues, Malik, il est loin de l'ADEME. Tu l'as clippé? J'ai déjà fait assez mal. Attends, je vais le prendre, je vais le montrer. Vous avez appelé les médecins ou pas, les collègues? Ouais, c'est fait, ils arrivent, j'ai fait une backup. Oh putain. Come on, mate! Attendez, faites une zone d'arrêt, vous allez vous faire défoncer. Tu l'as mis sur le Discord, machin. Ils ont appelé les médecins, on attend les médecins. Fais une zone d'arrêt, tu mets des barrages, tu mets des trucs, mais tu mets des. Attends, pourquoi tu le fais pas? Parce que je suis en train d'enlever la voiture là déjà. Toi, tu mets les barrières, Manic, c'est normal. Oui, bah demande comme tout le monde, t'es là, tu me cries dessus. Oh là là, bah oui, madame, vous êtes fait écraser par Malik. Bah moi, j'ai dit Malik, son prénom il est agressif. Il, est pas crazy, il veut pas m'écouter. Ouais. Malik! Mais comment c'est agressif, madame? Je sais pas si vous m'entendez. Je vais le tuer. Il m'énerve. Non, mais j'ai pas de cul. Allez-y! Elle était sur sa bécane. Et mon collègue Malik
Il est arrivé. Ah, Mike le charron. Non, lui, il a Malik, la ah. Il est arrivé. J'ai pas touché. Il a roulé sur la bécane elle a explosé. Il s'est fait souffler par le truc et puis il a tapé la tête la première contre le sol, je crois. Ok, est-ce que madame, vous êtes consciente? Ok, ça va. Est-ce que donc le pouls n'est bon, le cœur n'est bon? Je suis dégoûté. N'est bon. La respiration, elle est bon. Ok, est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous avez mal? J'ai mal aux jambes, ça me brûle. Putain de merde. Ok. Je comprends pas ce qu'elle dit, hein, si vous comprenez quelque chose. Une brûlure au niveau des jambes. D'accord. Vous avez fait espagnol LV2, c'est bien. Oh, j'ai fait soin LV1. Bah oui, mais reste une LV2 quoi. Allez, on la pose, on l'a ramenée. Hein. Elle est brûlée. Merci messieurs. Attends, on va juste avant qu'elle monte avec vous. Ah ouais. On va juste parce qu'elle était sur une opération. Je vais pas je m'en occupe. Éloigne-la de Malik. Malik, éloigne-toi. Éloigne-toi d'elle, Malik. Voilà. Malik, tu t'éloignes. Vous pouvez la faire descendre la dame? Non, mais non, non. Juste pour le faire chier. Ouais. Malik, éloigne-toi de là très long. Malik. Allez, madame, bougez pas. Je sais pas si je vais faire descendre de la. Si j'ai pas le droit, je leur dirai. Ouais, ouais. Doucement, madame, ça doucement, allez, madame, ça va bien se passer. Je sais pas si j'ai le droit ou pas. T'inquiète pas, j'ai mis un petit peu de pommade dessus. Mais madame, pourquoi vous avez. J'en avais des choses. J'ai quoi? Vous avez de l'argent? Pourquoi vous avez un gilet de la DOA? Non, c'est rien, c'est mon gilet, mais parce que j'ai une DOA qui a porté une de mes tenues. Aïe. C'est pas un gilet de la DOA. D'accord. Allez. Alors mettez-la sur le machin. Allez, je vous aide à monter. Allez. Doucement. Les jambes, légèrement. Doucement. Parfait. Mais je peux pas. Ah. C'est dommage, hein. Non, c'est pas vrai. Tout va bien, les collègues? Non, ça va pas. Malik, il a failli tuer quelqu'un. Malik. Elle a déjà fait un accident. Oh, je vais. Oh! Ah, c'est moi, je vais à l'intérieur. Allez, viens. Comment j'avais accès au coffre? Non. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, putain, j'ai plus accès au coffre. Tu parles pas depuis tout à l'heure? J'ai comment j'ai pas. Ouais, la moto est morte. Kana et Jay retournent à l'hôpital avec une brûlée. En tout cas, ça fait plaisir, vous avez rigolé. Ça veut dire que ça allait bien. J'ai juste les jambes qui me brûlent sa mère. Quoi? Sur une échelle de 1 à 10, oui, ça vaut combien? Ça me brûle au moins facile 5. 5, au moins. Une Mayans. Ok. Si on va voir ça quand même, je vais compter les pieds. Ok, c'est pas non plus une énorme brûlure que vous avez, mais elle est quand même importante. Deuxième ou troisième? On est plus sur un deuxième, là. Ok. Monsieur? Elle est pas au point pour une troisième. Mais c'est quand même beau. Waouh. Vous aurez de belles jambes. Il va être toute lisse après. Ouais, allez, et ben attends. Allez hop, je vous sors, si vous voulez. Hop. Venez ici. Je sais pas si j'ai. Aïe. T'inquiète. Allez. De ce deuxième degré. Désolé, j'ai plus que. Bon, en bas. On va où? En bas. Eh? C'est où en bas? C'est une Mayans. Je te suis. Allez,
J'ai vraiment pas de cul par contre, hein, je veux dire. Avec Kiana et AJ, on va prendre les blocs B3. Merci Jet Diff, merci beaucoup. Oui, oui, c'est encore planté. De quoi? J'en ai marre. J'ai la caméra. Oh non! Hop. Oh non, putain. Attends. Why? Vous êtes où? Ah, ok, bah fais juste débarquer. Fais descend, c'est pas mal. Ça va mieux? Si. J'ai cru que j'ai faisais une commotion cérébrale. Juste retirer tous vos vêtements, je vais vous aider. Ah oui, pardon. Merci. Alors, attends. On va échanger. Ça sera pas bien. Hein. Coucou, Jet Diff. Ok. Donc, on va échanger. C'est peut-être rien, maintenant. Le molotov, non, je suis dégoûtée, moi j'ai pris une explosion, faut le faire quand même. Ah mais ça c'est le gilet cuir ça. Attends, cuir. Ce pétarion. C'est de l'eau froide, Jay. Ouais, c'est ce que j'ai pris du coup. Hop. Je suis en train de demander, j'attends qu'il me réponde, mais je sais pas s'il va me répondre. Quoi. En même temps, tout seul, la voiture arrive à 200 sur la moto. Ouais, mais après, c'est pas de sa faute, tu vois. Lui, il est en course-poursuite aussi, donc bon, c'est les aléas, hein, je veux dire. Là, pour le coup, vraiment. J'ai pas de pleurs, nulle part d'autre. Après, je suis tombée 3 fois, frère. J'ai vraiment pas de plus. Je déteste faire des course-poursuites dans le sud. Moi, pour moi, ce que j'ai vu, c'était surtout au niveau des jambes. Ça se voyait directement, mais je vais quand même vérifier le reste. Vers le ventre. Hop. Tu peux changer de moto? Je retire la radio. Je sais pas, genre elle est plus du tout réutilisable la moto là? Ou genre elle sera réparable demain? Vos doigts, vos mains. Ok. Le bras. Mais non, mais la cliff, en fait, ça va. C'est juste que. Elle tourne pas, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, avec la. Le truc, c'est que la cliff, elle va vite. Et pour les suivre. Pour suivre le groupe, moi, j'ai besoin de. Pas la cliff, la gargoyle, pardon. La gargoyle, elle va vite. Donc, j'ai besoin de ça pour pouvoir les suivre avec ma. Avec ma Nightblade. Non, j'ai tout vérifié, c'est qu'au niveau des jambes. Parfait. On va appliquer. Je stresse de haut. Mais je sais, mais parce que j'ai pas envie de perdre, dans le sens pas perdre moi. Je m'en fous de perdre la loose, la loose RP, c'est toute ma vie. Moi j'adore ça, j'en ai rien à branler. C'est juste, je veux pas perdre mon arme parce que j'en ai marre de perdre mon arme. C'est tout. C'est juste ça. C'est parce que j'en ai marre qu'ils achètent des armes que pour moi à chaque fois. Et tout. J'aimerais bien. Des fois je m'en sors, hein. Des fois je fais des courses poursuites et puis j'y arrive. Des fois j'y arrive pas. Ouais, normalement ma moto je la récup, je pense. Ouais. Donc, mademoiselle. Si. Ça va être très important de pas prendre votre douche ce soir. Ok. Vous allez parce que sinon vous allez tout retirer les pansements. Demain ça va être important que vous passiez à l'hôpital. On va vérifier vos brûlures. Oui. Et par la suite, on va voir si on enlève les pansements. Ben, c'est sûr qu'ils vont être changés, les pansements. Oui. Mais on va voir pour les changer et voir si on les enlève. Hein. D'accord. Et c'est bien important de ne pas percer les petites bulles que vous voyez. Ah non, non. Non, ça risque pas. Ils sont remplis de merde, les bulles. Non, j'ai de la lymphe. Je suis pas bête. Je me suis brûlée déjà en faisant des gâteaux. Il va falloir le percer, il va falloir percer bord le jume, dame. Non. C'est bon pour le corps. Mais merci, tu me donnes des idées de torture pour la prochaine fois. De rien. Tu vas venir chez nous, toi. Ah là 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 là, je n'ai pas soif, hein. Jamais. Il va faire vomir tous les mondes.
Ouais, accent canadien. Et c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Reina. Mais non, c'est toi. Mais oui, c'est moi. Mais si, putain, c'est toi. J'ai entendu parler de toi, oh là là. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, toi t'as rien fait, mais il y en a un qui s'appelle Ethan qui a fait quelque chose. Ethan? Et Animation? Ah, monsieur Flores, pourquoi il a fait quoi? Bah, ce qui paraît... C'était pas avec lui? Ah non, mais ça c'était une rumeur à la con, il est avec Tia, lui. Ah ouais? Tu n'es pas parlé avec lui? Non, oui, je sais. Alors, oui, parce que mes hermanos, ils ont plaisanté là-dessus, parce qu'une fois, ils nous ont entendu avoir une conversation de cul, mais c'était pas... parce qu'on parlait de cul, tout simplement. Et du coup, mes hermanos, ils ont dit, bah, c'est bon, tu vas te marier avec lui maintenant que tu as eu ce genre de conversations. Et ça fait tout le tour de la ville, hein. Ah non, il faut que tu reparles de cul maintenant, parce que là, t'en as plus, il est brûlé, hein. Je sais. Ah ouais. Déjà que j'en avais pas beaucoup des coups. Après, ça... après, il va devenir tout lisse, hein, le cul, hein. Oh non, après un petit culisse, on n'est pas contre. Hein. Bah voilà. J'aurais plus des poils. Le sif, il est fait à vitam aeternam. C'est ça, c'est ça. Et pas de, plus besoin de faire de bibiel, rien. plus besoin de rien. Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. Voilà, un mal pour un bien, finalement. Ah ouais, mais tu vois, il faut trouver les positifs dans tout. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est une fois qu'on a trouvé tout ça, on est heureux. Exactement. Moi, j'ai fait tous les temps et je suis très sérieuse dans ma vie, tu vois. Voilà, ben écoute, c'est le principal, Reina. Oui, claro. Et c'est quoi ton nom à toi? Moi, c'est Jay. Jay? Ah, j'aime bien Jay, c'est joli, Jay. Ouais. Ça fait longtemps que tu as fini tes études de médecine? Je n'ai pas fait. Tu n'as pas fait d'études de médecine? Non. Et comment tu as fait pour remettre les médecins? Eh ben, j'ai ma mère qui travaille ici et on m'a dit que je pouvais quand même... juste que j'apprenne en tant que stagiaire et qu'on m'explique. Il faut d'abord qu'on me montre et après je ferai. Super, c'est génial ça. Mais moi ce que je faisais avant, c'est toujours été la mécanique, j'en faisais chez moi et après j'ai voulu devenir professionnel et en fait il s'est passé un incident, j'ai vu quelqu'un à terre et en fait je pense que bah, le métier de médecin c'est pour moi quoi. Je peux pas laisser une personne impuissante, enfin je peux pas être impuissant face à une personne en tout cas qui a besoin d'aide quoi. Bah bravo hein. Donc bah voilà, du coup bah, j'essaye finalement, je marche dans les pas de ma mère. Amputer la jambe, Jay? Mais ouais, je pense qu'il va, il va falloir laisser que le buste. Hein. C'était qui les policiers qui étaient avec nous et tout à l'heure? Ils vous attendent à la salle de réveil. Un bon gros raciste. Ah bon, super. Ouais. Oui, ils s'en viennent. Ils nous attendent. Ah, ils m'attendent carrément. Ah, la vie est ferme. Ah, j'ai de la chance, je vais avoir une escorte. Et en plus, à ce qui paraît, il y en a un qui s'appelle Malik et c'est à cause de lui que t'es là. Ah ouais? Malik? Vas-y. Oui. Et vas-y, poursuis en justice, poursuis en justice. Ok. Vous êtes non, je fais pas je ça, crois. Mais bon, malheureusement. Vous pouvez pas me faire sortir par la porte arrière, tout doucement? Non. 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 Vous pouvez pas dire que je suis morte et que je suis à la morgue? Après, Reina, ça se trouve, tu fais un kill, tu ultes, tu passes à travers le mur. Hein. Ouais, non. Non, non, bah non, j'y peux pas. Parce que j'ai perdu toutes mes flashs, donc c'est foutu. Ils vont voir. Ok, ok. Non, oui, oui. Ouais, tu pourras pas brouiller les pistes. Non, je peux pas. Non, il va falloir que vous y alliez. Okay. Mais sinon, vous m'anesthésiez général, vous dites que je suis morte, et puis vous me mettez à la morgue, et non, après j'y sors. Non? Non, ils vont tout de même vous... Dis-moi, Reina, t'as des choses à te reprocher ou... Non. Okay, ça va, c'est alors, juste vas-y. Que j'ai pas envie d'aller tu vois, faire un tour là-bas, quoi. C'est normal, tu vois. Ils sont méchants avec moi, tous. Ouais, bah, hey, bah, ils me roulent dessus, ils me font péter la moto. Bah, et pour une fois, je suis d'accord avec tous les mots que t'as dit là. C'est vraiment des gros connards. Merci. Ah, voilà. Mais cependant, on peut tout de même pas te faire sortir. Tant pis. J'aurais essayé, en plus, il faut bien essayer. T'as raison, t'as raison. Ah là 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 là. Lâche pas, Jay. Hein? Je te lâche pas. De quoi lâche pas? T'es en train de la momifier au complet. Mais je veux être sûr, moi je veux pas qu'elle revienne demain, qu'elle me dise j'ai mal, tu vois. Bah oui, mais ça va lui faire mal quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. il travaille bien quand même. Hein. Je suis un peu plus lent que les autres, mais... Ouais, mais ça. Après, c'est bien, tu prends ton temps. Tu sais, le travail de qualité, ça s'est fait avec les temps. Effectivement. Ouais, c'est vrai.
C'est juste que moi, j'ai un petit peu plus d'habitude. Ça... Du coup, ouais. Tu viens d'où, toi? Moi, j'ai soigné ici. Mais j'ai été éduquée en Oklahoma. Ma famille, elle est mexicaine, et du coup, chez moi, on parlait tous mexicains. J'ai très peu parlé votre langue américaine, mais j'ai fait comme je peux. Donc, des fois, les gens, ils ne comprennent pas tout le temps. Okay, c'est pour ça qu'ils disaient qu'ils ne vous comprenaient pas. Okay. C'est... Après, j'essaie de faire un effort, mais c'est vrai qu'il y a des mots, tu vois, c'est un peu compliqué pour moi pour les dire, tu vois. Mais c'est pas grave, ça. Oui, mais les, tu vois, ils veulent pas. Pour eux, même si je suis née ici, ben, je suis pas américaine. Je suis une étrangère. Mais parce que j'ai pas l'accent américain. Oui, c'est vrai. Mais bon, tant pis, écoutez. Moi, je m'en fous dans tous les cas. Et même si ils me considèrent pas américaine, dans mon cœur, je suis mexicaine. Et puis, c'est tout. Et puis, j'ai les emmerdes. Et on est bon. Claro. Ah, je me lave les mains. Je vais vous emmener vos vêtements. Merci, c'est joli. Il va faire froid à monter en haut. Ah. Attends, alors. Aïe. Je ne m'en sors pas, hein. Je vais y arriver, hein. Attends. Moi, je vous aide. Merci. Pas de problème. Voilà. Merci. Tu as le brancard, Jay? Ouais. On va brancarder tout ça. Allez, hop. Et on est parti. Hop. Merci. C'est parti. Je sais pas comment vous faites pour vous repérer ici. Hein. Moi, j'arrive pas. Bah, tu m'étonnes, c'est tellement grand. Je la suis. T'as raison. Eh ben. Faut qu'on le dise à papa. Je suis en train d'œil. C'est ça. C'était qui la petite blonde en robe rouge là? Valentina? C'est... Non. Ouais, c'est ça. Ay, que bonita. Ça va ou quoi? Vous allez bien, monsieur? Ça va. Ah, enfin. Attends, j'ai des sons. Ah, je comprends. Tu veux me mettre c'est Mary Malik. Quelle soirée. Il m'a fait brouiller, madame. Je pense mais qu'elle doit payer sa facture au moins. Hein. Elle a fusionné avec mais son cuir. Elle a payé sa facture, c'est vrai que du métier, elle a décidé de cuire. Mais si elle a la moustache. Il veut pas me parler. Tu veux pas me parler? Il boude hein? Non, mais Malik, tu t'éloignes de la dame. Qui mais non, mais j'y vais te donner quelque chose. Hein? Viens là. Parle-moi. Oui, non, pas toi, Malik, l'autre, le monsieur à la moustache. Ouais. Oui, vous. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais viens, je te donne quelque chose. Bon, vas-y, Malik, je vais te donner quelque chose et puis tu lui donneras, oui, hein, parce qu'il ne veut pas faire l'effort. Hein. Viens. Mais si, mais vous me voyez non, pas. Non, mais viens. Mais si, je vous vois. Ah. Parce que j'étais devant vous, là. Mais j'ai donné à Malik. Malik, qu'est-ce qu'elle a donné? Mais vous étiez myope aussi, donc à bout d'un moment, j'ai fait mon travail, hein. Mais oui, mais madame, si. Si je vous l'ai pas pris, c'est qu'il y avait une raison. Ah non, mais parce qu'en fait, écoutez, c'est simple. Je vous explique pourquoi. Parce que en fait, moi, je savais pas si c'était un bon move ou pas un bon move. Du coup, quand j'étais dans l'ambulance, je l'ai caché sous la civière. Mais du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas un bon move. Du coup, je préfère vous le rendre. Mais si vous me le rendez en retour, c'est bien. Bah non, maintenant que vous me l'avez donné, on va pas me le rendre. Ah, vous êtes sûr? Oui. Tenez, je vais la glisser dans la poche. Merci. Non, rien. Parce que du coup, moi, bonne soirée. Bonne soirée, merci monsieur. Vous voyez, j'aime pas être malhonnête, même si je suis malhonnête. Mais j'aime pas être malhonnête comme ça. Du coup, oui. Du coup, voilà. Mais si vous voulez bien me les rendre. Moi, ça me va. Je pensais qu'elle était dans votre moto qui allait exploser. Non, ça, j'ai rien en dit. Fait, non, je l'avais caché sous la civière dans l'ambulance, mais c'est pas cool. Donc, j'ai préféré. Non, mais maintenant que c'est donné. Tant pis, je peux pas. Non, oui, reprendre, c'est volé. C'est pas le marché au plus, on n'est pas chez Malik. Oui, hein. Mais pas Malik. Un Malik. Bon, passez-moi votre pièce d'identité, madame. Oui, attends. Viens là. Alors. Attends. Viens. Bouge pas. Tadam. Je suis à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, il y a un monsieur Malik, un flic. Il a roulé sur ma moto. Et du coup, j'étais à côté. Et ça m'a brûlé les jambes. Dites-lui, c'est Chuck qui vous a sauvé. Okay, et c'est Chuck qui m'a sauvé.
Ok, t'as pas des trucs trop graves hein. Non, ça va. Mais du coup, j'avais caché mon arme dans l'ambulance, je l'ai donné au monsieur, et le monsieur m'a dit que c'était pas grave, vous auriez dû la garder. Non, c'est pas grave. Non, mais je sais. Du coup, voilà. Okay, et là, j'ai suis hein. avec eux à l'hôpital, et après, je vais venir. J'en peux plus, moi, je suis au bout de ma vie. Là. Okay. Je suis à ma 7e poursuite. Dès que je finis une poursuite, je me fais rattraper par un autre flic qui a rien à voir, qui vient me chasser. Il m'a dit, tu sais, j'étais en train de rentrer vers le club. Si. Et j'ai fait des gâchis de me faire chasser, du coup, je fais demi-tour, tu vois. Si. Et là, je vois une moto qui passe à fond de balle, qui fait demi-tour si. Sur moi, je lui dis bonsoir. Si. Il me dit, oui, sur le bas-côté, s'il vous plaît. Je dis, bah, pourquoi? Il me dit, bah, je sais pas, vous êtes à Mayence. Je dis, bah, vous allez en trouver plein sur cette route, on sort du club. C'est nul. Mais il m'a dit, comprenez-moi, c'est que depuis tout à l'heure, on vous voit tourner. Je dis, mais c'est vrai, vous avez raison, je tourne depuis tout à l'heure. Ça, je peux pas vous l'enlever. Bah, ouais. Du coup, voilà. Voilà. Ah, bah, on se retrouve ça. Après. Bon, bah. J'ai deux motos. Courage. Courage, Dio. Allez, tenez, madame Octavia. Allez, merci. Allez, tu viens, Malik, on y va. Ouais. Désolé, excusez-moi. Désolé, vraiment désolé. Bonne soirée. Ça va, vous allez bien? Vous avez de la chance de tomber sur nous, enfin pas, oui. Pas de la chance de tomber sur Malik, mais... Ouais, non, mais Malik il m'a niqué ma moto quand même. Hein. Allez, arrêtez vos Et au fait, vous me devez de l'argent pour la moto, hein? Oui, bah ça va, vous avez de l'argent sur vous, je vous ai pas payé. Oui, c'est pas faux. Mais oui, mais ça c'est mon argent, moi. Hein. J'ai fait des virements et les gens ils me donnent de l'argent, vous comprenez vous ce que ça fait ça? Non. Bah du coup les gens ils pensent que cet argent il est pas bien. Bah il est bien mon argent, c'est juste que les gens ils ont pas des... assez sur leur compte, du coup je leur fais des virements. Oh ouais. Bebecito mm-hmm. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Il va bien? Il a mal? Oui, il a mal, oui. C'est vrai, il a mal? Pourquoi il a mal? Qu'est-ce qu'il a fait? Je te laisse gérer, Roman. Bah alors il a eu quoi? Écoutez-moi bien. Force à toi. Force à toi. Oh, tu peux rester là, Aria, si tu veux, ça va être très drôle. Qu'est-ce qu'il... Attends. Racontez-moi tout. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ok? Si. Le petit enculé de chez vous. C'est qui? Parce qu'il y en a plein. Hein. Oui. Oui, mais vous allez voir. C'est qui a jeté un cocktail Molotov sur mes deux collègues. On va l'attraper. Et on va le baiser. Ça vous va? Il y a claro que si, il a pris les molotovs. Bah écoutez, je pensais pas que c'était lui, moi. Mais c'est bien. Et ça va, il s'en sort bien. Il a les sourcils qui ont tenu. Mais il y en a un, il a plus de cheveux, plus de sourcils, plus de barbe, plus rien. Après, j'ai envie de vous dire, au moins, il va pas avoir besoin d'acheter des shampoings pendant un moment, c'est bien. Faut voir les positifs, hein. C'est naturel chez vous de voir toujours le bon côté des choses. Si, claro, mais vraiment, il faut, parce que sinon, après, on pleure toute la journée, c'est triste, non? Mais vous, ça va, vous n'avez pas été touché? Ah non, pas du tout. Ah bon, c'est le principal, votre belle gueule, ça serait dommage de l'abîmer. Donc, du coup, son 13, il a pris les molotovs. Oui, et 0,3 aussi. Et, ah, oh Karma. Ça, lui, c'est karma. Je l'avais dit. Ah bon? Je l'avais dit, il allait avoir des bonbons. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce que son 13, il voulait qu'on lui fasse du mal à la base. Mm-hmm. Et du coup, c'est le karma. Il a pris. Le karma a entendu les paroles de son 13 et il a dit ok, let's go, on y va. Et bien sûr, évidemment, son 13 a pris parce que karma, parce qu'il a voulu du mal à ses autres, c'est pour ça. D'accord. Eh ouais, et vous faites quoi ici d'ailleurs à la base? Alors, moi, j'ai un de vos collègues qui s'appelle Malik qui a roulé sur ma moto pendant que j'étais juste à côté. Et du coup, il y a eu badabim, badaboum, boum, boum. Et moi, j'étais à côté, évidemment, bah, j'ai pris comme votre collègue au final. Hein. C'est comme si j'avais un molotov dans la gueule. Hein. On ne va pas se mentir. Sauf que moi, c'est les jambes, ce n'est pas le reste du corps. D'accord. Ah ouais. Et là, vous allez partir normalement. Alors, normalement, ça serait bien un grand mot parce que j'ai quand même des pansements sur toutes les jambes. Hein, donc, oui. Ça pique. Hein. On ne va pas se mentir. Je ne vais pas aller danser et aller à la plage pendant un moment, ça c'est sûr. Hein. Mais vous voyez le positif. Oui. Vous n'allez pas avoir besoin d'épilation pendant le jour. Exactement. Pas besoin de rasoir, pas besoin de crème à raser, pas besoin de machine à épiler. Je vais avoir les jambes douces comme la peau d'un petit bébécito qui vient juste de naître. Ay, que bonito. Ah, vous êtes de bonne humeur. Si, claro.
Mais je suis contente, et je suis contente que tout le monde aille bien. Bon, il y en a qui ont pris un peu des coups de Molotov, mais sinon ça va, c'est bien. Si. Et votre moto? Et la moto, bah écoutez, vous savez, c'est de la ferraille, on va tout retaper, puis après on s'en sortira. Puis si ça va pas, j'irai en acheter une autre. J'en ai deux autres, hein, donc c'est pas comme si ça m'est manqué. Bon, parfait alors. Bon, bah, oui. Si tout va bien, alors. Oh, oui, mais vous savez, ça rapporte, hein, l'air de rien. Hein. De quoi qui rapporte? La criminalité. Et vous me dites ça normal. Aïe, que bonito, non? Vous devriez essayer, peut-être ça vous irait bien. Hein. Non. Non? Non. Moi, je vous vois bien avec un petit masque et faire « Oh, les mains banditas !» Non. J'avais tout l'argent de la banque. Non, justement, moi, j'arrête les personnes qui arrêtent ces moi, personnes-là. Moi, je vous avoue que si c'est vous qui me mettez les menottes, je ne serai pas contre. Suffit de demander ça. Hein. Ay, que buena. Hey, calmez-vous, calmez-vous. Pardon, désolé. Mais vous les faites si bien aussi, c'est pas de ma faute. Bah moi, je suis toujours serviable, hein. Je suis là pour aider la population. Oh oui, je vois. Vous habitez loin? D'ici? Oui. Oui, assez. C'est vrai? Oh, c'est dommage. Oui. Pardon, excusez-moi. Je vous aurais bien suivi jusqu'à ce moment. Ah bon, bah là, de toute façon, je rentre au poste. Hein, donc, bon, ah, vous rentrez au poste? Bah oui. Oh, c'est je rentre pas tout de suite chez moi, voyons. Ouais, encore beaucoup de travail, vous savez. Bah, si vous voulez m'envoyer votre position de chez vous, je vous retrouve après le travail. Hein. Non, bah, je passerai à votre club. Oui, mais c'est pas, comment dire, assez intime, les clubs. Il y a trop d'hermanos. Je vois. J'ai bien envie de m'amuser avec vous un peu, vous voyez. Ouais, je vois très bien de quoi vous parlez. En plus, vos menottes sont bien adaptées à mes petits poignets, donc... Vous les aimez, mes menottes? Ah si, j'aime bien quand vous me les mettez, en tout cas, ça c'est vrai. Hein. Je le note dans mon petit carnet, d'accord? Aïe, c'est bonito. Allez, bonne soirée, madame. Attendez, je vais dire au revoir à Silver. À Winter. Ah oui. Besos, cariña. Elle dort, hein, toujours. Hein. Oui, toujours. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aïe, dâche. On va laisser machine en dehors du club un petit peu. Ouais, bah ouais. Aïe. C'est où la sortie? Non, c'est là. Pardon. Non, c'est ici. Merci. Attends, je vais demander. Oui. Quel est l'agent qui est en 10-12, s'il vous plaît? Ah, commandant. Je sautais dans la cage, je vais taper un 1v1 contre l'ours, je pense. C'est quoi ici, vous? Bah, j'ai un de vos collègues qui a gentiment fait exploser ma bécane. Tout à fait. Ben, il a roulé dessus et moi j'étais à côté, donc vous doutez bien que l'explosion, ça fait du bien, quoi. Grâce à lui, je ne vais plus avoir besoin de me raser les jambes. Bah, bon courage à vous, madame. C'est gentil. Vous ne voulez pas toucher? C'est doux comme la peau d'un bébé. Non, c'est bon, merci beaucoup. C'est ma moto? Non, c'est pas ma moto, ça. C'est ma moto. On dirait ma moto, hein. Mais c'est pas ma moto. Je jure. Ça va, Frisk? Je me suis absentée une heure et voilà. T'as vraiment pas de chance, c'est trop. Mais ouais, bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, j'espère que je vais surtout... Moi, vous savez, ce qui me stresse le plus, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver une solution pour le stream, pour que ça lague plus comme ça avec la caméra quand je suis... Coucou, Kiku! Merci pour les follow! Ça me saoule. Je sais pas ce que j'avais de bien qui faisait que ça marchait bien.
faut que j'arrive à trouver une solution, mes amours. Et je sais pas laquelle ça va être. Ah là 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 là. Il a le clip du côté de Malik, MDR, je vous jure. On fait voir la POV du gars. Ah. Ah ouais, je vais vous mettre sur le Discord. Non, je vous le mets sur le Discord. Je vous mets sur mon Discord, vous allez rire. Je le mets dans les clips. Vous allez voir la POV du mec. Ah ouais. J'ai vraiment pas de cul. Qu'est-ce qu'il dit? Une autre attaque, et d'autres s'est fait péter. Ouais. Deg. Hier, tous mes jeux lagués, j'avais une image Nvidia, peut-être ça. Non, mais moi, je suis pas sur Nvidia, je suis sur AMD. Et en fait, aujourd'hui, j'ai mon beau-frère qui est venu pour voir, pour faire des tests, justement, par rapport à la pixelisation de mon stream. Et on a trifouillé, et comme une conne, j'ai oublié complètement de faire un screen de mes paramètres. Et mes paramètres n'étant plus les mêmes, ben, j'ai tout qui déconne. Non, mais c'est gentil, Frisk, merci, c'est adorable. Oh, j'ai envie de pisser. Ah ouais, c'est un gros échec, ça. Vraiment, je te jure, ça me fout les nerfs. J'ai tiré la gueule toute la moitié du live à cause de ça. Parce que le problème, c'est que je ne peux le régler qu'en live. Parce que c'est avec la caméra que ça bug, donc je comprends pas quoi faire. Je sais plus, j'ai pas... Trop un enfer. Demain, je vais lancer un live où j'allais rien comprendre. Là, j'ai de la gnan. Il est pas en live, foutez-moi la V. Je sais pas quoi faire. Ouais, je lance un live test, mais ça me fait chier de le faire, tu vois. J'aurais préféré. Ah, fume un peu la voiture. J'aurais préféré. Réussir ce soir, et voilà. Merci. Putain, j'ai un cul, moi, c'est pas possible. Ça arrive. Donc tu gardes le sourire, tata, c'est le plus important. Toujours garde le sourire. Du coup, problème où? Attends. Ouais, j'ai pas mon arme. En fait, j'ai fait un move, mais c'est un move risqué, donc j'ai préféré la rendre, mon arme. J'ai mis l'arme dans le... Oui, allô Padrino, j'ai récupéré Tata, je voulais savoir, on pourrait changer la pose. Dans le coffre de l'ambulance, mais ça peut être considéré comme une save arm, tu vois, donc je l'ai rendu au flic. Ça va, mon chat? Moi, je... Tu viens de me voir? Oui. Tu viens de me voir? Moi, tu m'as manqué. Oh, tu m'as manqué. On a enfin terminé cette histoire de la bout de con.
Oui, au moins ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est le plus important. Ouais. Savoir du bénéfice. Exactement. Alors. Ouais, je sais, ça bug. Alors, Tata, mais je sais qu'on est des prospects, on est les prospects avec Oscar, du coup, à s'en occuper. On nous a donné la mission de faire un événement pour les gangs. Ouais, en fait, j'ai dit, ça pourrait être une bonne idée pour vous de faire un événement pour les quartiers ou quoi, tu vois, genre une course, ouais. J'en sais rien. Mais après, moi, bon. Je vous aide, hein. Mais non, en gros, nous, c'est pas ça le truc. Oui. Tu vois, nous, on a dans la capoche avec Oscar. Mais tu vois, on a besoin de quelqu'un qui sait parler. Ok. Donc moi j'avais l'idée de nous va préparer un petit événement aux petits oignons. Si. Oscar pour les quartiers. Ok. Mais à ce moment-là il faudra l'expliquer cet événement. Oui. Du coup j'ai besoin d'une bonne oratrice tu vois. Ok. Du coup ben je pensais, je me suis dit Aurora, ben non c'est un support. Padrino c'est pas une femme. Du coup je me dis ben, demande à Tata. Bah écoute avec plaisir hein. Du coup avec Oscar on va nous préparer. Merci Guignol pour le 30e mois. Avec toi. Ok, oui. Parfait. Bah tu me dis et bon, moi je te donnerai tout. Ok. On ira faire le tour des gens que tu veux aller voir et on expliquera. C'est parfait. Vous voulez faire ça quand? On doit le faire. On doit préparer un événement pour lundi. Lundi, c'est bien. Donc là ce soir, on va. Je vais commencer avec Oscar à le chercher, faire quoi okay. faire. Et voilà. Ben, moi j'avais pensé, vous avez plusieurs choix, vous pouvez faire une course de moto, vu que nous c'est la moto, une course de coachien si vous préférez, et une course de tout terrain, parce que ça je sais s'appeler aussi, avec des points relais où il faudrait que les mecs tu vois pour être après, sûr qu'ils sont pas... Le président nous a demandé un événement où ça se tabasse. Ah ben alors la boxe. Au quartier. Alors soit la boxe, soit un truc où ça se tape avec leur pétard. Ouais, ah oui aussi, sinon ça, ouais. Merci pour tout. On va voir, je vais demander après si c'est un événement chill ou un événement un peu plus violent. Parce que si c'est un événement chill, la course, la boxe, la partie sportive, si ça va s'enculer, on va voir. Ouais. Ça peut être bien, effectivement, de commencer à donner un peu de choses à faire aux petits gangs et tout. Parce que là, depuis qu'on est là, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion encore. On a surtout fait ça et surtout, en fait, on s'est trop focalisé sur les poches. Ouais. Ah bah ça, peu, les bon, poches, c'est bon, maintenant on a donné. Hein. On a vraiment donné. Ouais, clairement. J'ai jamais vu. Autant de pollos tous les jours de ma vie, c'était promis. Une dinguerie, il y en a vraiment. J'ai jamais fait autant de courses poursuites. C'est bien, ça m'entraîne, tu me diras. Ah, vrai, oui. Il faut voir que le positif dans clairement. Ça. Mais là, je sais pourquoi ce soir j'ai galéré. Parce que c'est la première fois que je fais une course poursuite avec la gargoyle. Et je savais pas qu'elle tournait aussi peu. Après, c'est bien, tu vois. Le truc, c'est que, bah, comme. C'est pas grave. Donc, plus belle terre. Tu vois bien, tu sors de l'hôpital, tout va bien. Si. On s'en fout. Non, c'est là. Sûr. Alors, j'espère qu'ils sont là. Ah putain, le chat. Mais arrête! C'est le chat qui appuie sur le clavier. Ok. Non, mais la moto. Ah, sa mère. Ça va bien, Rina? Ça va. Et ça pourrait aller mieux. Ben, disons que Malik, il a pété ma moto, donc elle est brûlée au 50e degré. Moi, mes jambes sont brûlées au 50e degré. Ça peut te rassurer, Riz, il est brûlé oui, au 75e degré. Je l'ai croisé, je suis contente. Je suis très... Putain, mais c'est pas vrai, le chat. Pardon. C'est le chat que t'as fait poser comme ça. Oui. Après, il va falloir là qu'on aille... est-ce que on va New Order à la gueule? Le problème c'est qu'on doit faire 14 armes, donc ça va prendre du temps et la pause elle est super cramée. Ou alors je prends quelqu'un avec moi, on y va à 2. Ou à 3 grand max. 3 même. Franchement, allez-y en petit comité. Petit comité, ouais. On va au nord, même aller New Order. Sud. New Order. Si c'est juste à 2, allez-y
À 3. À limite, au pire, on dépose dans le sud. Ouais, on va déposer dans le sud. Dans le sud, hein, le nord. Le, ouais. Oui, comme ça, même si on se fait cramer, bon, on perdra notre cargaison, mais au moins notre labo à nous n'est pas cramé, en vrai. C'est vrai. Ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Cool. Après, si on vous, juste on vous dépose, il n'y a aucun moyen que vous pouvez être cramé. Non, mais il n'y a que genre le bison qui me dépose, t'as capté ? Qui nous dépose. Bah oui, trois personnes. Oui. Ok. Vas-y, parfait. Et pour les autres, bah. En fait, vous voulez, je sais pas. Moi, vous voulez que je tombe dans la montagne pour surveiller le bison cette nuit ? Si tu veux, t'as dit quoi ? T'allais dire quoi, Reina ? Je vais devoir y aller, moi. Avec les douleurs à mes jambes et tout, c'est pas très foufou, quoi. Hola, los hermanitos del pueblo, del amigos. Si vous chopez un flic qui s'appelle Malik, vous lui pétez la gueule, vraiment. Ok. Vous pouvez y aller, hein. Défoncer le saras, il a cramé ma moto. Je suis d'accord, mais je crois qu'on devait calmer le jeu avec les flics. Oui, mais juste lui, juste lui. Jure-le, tu m'excuses, jure-le. Oui, non, mais non, de Carlos. On va le faire, Tata, on va le faire, le Malik. Oui, il faut calmer les choses avec les poyos, mais tabasser un poyos, c'est pas leur tirer dessus. Non. Exactement. Donc, ouais, on le fera, Tata. On s'occupe de ça avec les portes spéciales de Coraz. Ok. Bon, du coup, Tata, je vais la déposer. Allez, à demain, besos. Buenas. Lo siento, hein. Demain, je resterai plus, buenas, mais là, est compliqué. Il a roulé dessus. Non, j'ai dit Malik. C'est lui. J'ai dit c'est lui. C'est lui et c'est Malik. Je vous jure. Oui. Merci, hein, Javier, tu me sauves la vie. T'inquiète pas, hein. Normal. Et la moto, j'ai fait comment ? Faut que j'appelle les customs pour qu'ils me la réparent, du coup, non ? Je m'en occupe, va dormir, je m'en occupe. Il y aura l'assurance, je l'appelle. Ok. Et demain, je te déposerai. Ils vont la déposer demain. Ok, merci. Putain, j'ai vraiment pas d'écrit. Je promets. Et j'ai vu, hein. Et j'ai trop. Non, mais les flics, ils étaient cool, hein, parce que je suis tombée trois fois, donc vraiment, ils étaient cool. Mais j'avais vraiment pas mal à chaque fois. Alors, du coup, je leur disais, on continue, hein. Bah, ça part, après, c'est la moto, ça forge. Bah, ouais, elle est fou. Mais là, pour le coup, je dis, je vais bien. Et puis, tout noir, hein. Il n'y avait plus rien. Attends, je t'entends, Malik, Malik. Je te jure. Je l'ai pas vu arriver, je suis là, ouais. C'est quoi ça ? On ne faisait rien. Aïe, aïe, aïe. Merci, bébé, c'est pour ta noche. Allez, bisous, tata. Allez, à demain. À demain. Bonne chance.